élection hors d'Emmanuel Macron en 2017, qui l'a renouvelé en 2022. On ne gagnera en 2026 si on a fait faire quelque chose. Moi, je lis toujours. Mais... Moi, je lis toujours, je prépare toujours une question. Oui, c'est bien. Oh merde, j'ai oublié, j'ai oublié mon stylo. Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et tous. J'espère que la nuit fut douce, bien qu'elle fût courte. Alors, avant d'en venir à notre audition de ce matin, nous devons procéder à la désignation de rapporteurs pour deux propositions de loi qui seront à l'ordre du jour de la séance publique durant la semaine du 6 mars. Il s'agit de la proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans, et de la proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausses couches. J'ai été saisie respectivement des candidatures de Caroline Janvier et Sandrine Josso, que je salue, elles sont là ce matin. Y a-t-il des objections ? Non, il en est à 10. Et merci pour elles. Je précise que nous examinerons donc ces deux textes en commission le matin du... mercredi 1er mars. Alors, par courrier en date du 19 janvier dernier, Madame la Première ministre a fait savoir à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qu'il était envisagé de désigner Madame Caroline Semail aux fonctions de directrice générale de l'Agence nationale de santé publique, autrement dit Santé publique France. En application des dispositions de l'article L1451-1 du Code de la santé publique, il revient à notre commission, Madame Semail, de vous entendre donc préalablement à votre nomination. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans notre très belle commission. Alors sachez par ailleurs que votre CV a été bien sûr transmis à l'ensemble des commissaires. Je rappelle que votre prédécesseur, à savoir Madame Geneviève Chêne, a exercé ses fonctions jusqu'en octobre dernier et que le directeur général de Santé publique France est nommé par décret pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Ai-je besoin de décrire en détail les compétences de cette agence sanitaire dont nous avons tous pu mesurer le rôle essentiel que celle-ci a pu avoir dans le cadre de la maîtrise de l'épidémie Covid ? Dès lors, nous sommes conscients de l'ampleur des responsabilités auxquelles vous êtes promise, chère madame, et nous attendons donc, après une brève présentation, que vous indiquiez dans quelles conditions vous entendez bien sûr exercer ces fonctions. J'indique bien sûr qu'après votre intervention, je donnerai immédiatement la parole pour 5 minutes au référent de notre commission pour Santé publique France, il s'agit bien sûr de Cyril Isaac Sibyl, puis aux représentants des groupes politiques pour une durée de 2 minutes chacun, et enfin viendront les questions de députés pour également 2 minutes. Ensuite, vous disposerez bien sûr de tout le temps nécessaire pour répondre à l'ensemble des questions. Je vous passe la parole, chère madame. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ma candidature à la direction de Santé publique France qui vous est proposée par le gouvernement me donne l'honneur d'être entendue par votre commission. Votre commission a produit de nombreux travaux sur les agences et sur des enjeux majeurs de santé publique. J'ai moi-même, au cours de ces dernières années, eu la chance de contribuer au développement de 3 grands opérateurs de cet écosystème sanitaire. J'y reviendrai dans le cadre de mon propos. Directrice générale adjointe depuis presque 2 ans à l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
J'ai acquis au cours de ces 20 dernières années, au sein de 3 agences sanitaires, une assez large expérience de la gestion de crise, des politiques de santé publique, de la démocratie sanitaire, du management et de la gestion d'établissements publics à vocation d'expertise dans le domaine de la santé et de l'environnement. C'est sur ces bases ainsi que sur mon parcours professionnel que se fonde ma candidature au poste de directrice générale de Santé publique France. Je suis médecin de santé publique, praticien hospitalier, épidémiologiste et ai consacré les 10 premières années de ma vie professionnelle aux maladies infectieuses, en particulier à la lutte contre le VIH-Sida, afin de soutenir des projets en prévention ou dans le cadre de missions d'appui ou de missions humanitaires. Parallèlement à une activité clinique pratiquée durant plus de 15 ans, j'ai rejoint en 2000 l'Institut de veille sanitaire, aujourd'hui Santé publique France, en tant que médecin épidémiologiste en charge de la surveillance du VIH, SIDA, des IST et des hépatites. Pendant ces 10 années, j'animais une équipe à la frontière entre la surveillance et la recherche, développé des systèmes de surveillance innovants, mis en place des enquêtes auprès de populations vulnérables, je pense en particulier aux usagers de drogue, populations carcérales. Je suis très attachée à cette approche populationnelle. Titulaire d'une habilitation à diriger des recherches, j'ai aussi conservé des fonctions d'encadrement et d'enseignement pendant plusieurs années. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai également été très engagée dès le début des années 2000 dans le dialogue avec les associations de patients. Ce dialogue, engagé avec AIDE et ACT UP notamment, était précurseur de l'ouverture à la société civile que nous connaissons aujourd'hui. En décembre 2013, j'ai rejoint l'ANSM en tant que directrice produit à la tête d'une équipe pluridisciplinaire. J'ai notamment contribué en 2018 à définir les conditions de réussite de la politique vaccinale chez les nourrissons. Concertation publique, information transparente notamment, ont contribué à restaurer la confiance et l'adhésion des familles à cette politique de santé publique. J'ai toujours conservé un lien avec l'expertise en santé publique, ainsi qu'une sensibilité aux questions déontologiques. J'ai ainsi été membre du Haut Conseil de santé publique et participé également à la Commission nationale de la déontologie des alertes en santé et en environnement, la CNAPS. Forte de ces expériences en matière de santé humaine et de management, j'ai été nommée en 2019 directrice générale déléguée à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Je dirigeais alors une équipe de 350 personnes en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, biocides, et je supervisais également l'Agence nationale des médicaments vétérinaires. Les dossiers que j'ai eu à traiter à l'ANSES mêlaient intimement les questions de santé publique, de santé animale et de santé environnementale. Je retiens de cette expérience l'importance du dialogue avec les parties prenantes, notamment sur les sujets à forte dimension de controverse, et évidemment les enjeux environnementaux One Health. J'ai aussi été amenée à contribuer au cours de ces 20 dernières années à de nombreuses crises sanitaires. Le SRAS en 2003, H1N1 en 2008, MERS-CoV en 2013, Ebola en 2014 et bien entendu Covid-19. Dès mars 2020, je suis venue en appui à la recherche auprès de Reacting Inserm. Reacting Inserm, aujourd'hui devenu l'ANRS et MIEU, un partenaire privilégié de Santé publique France. Et c'est toujours en pleine crise sanitaire, en avril 2021, que j'ai rejoint mes anciens collègues de l'ANSM au poste de directrice générale adjointe, en charge alors d'une équipe de 800 personnes. Outre les enjeux liés à l'évaluation et à la surveillance en vie réelle des vaccins et des traitements dans le Covid, l'ANSM est garant d'un cadre assurant un même niveau d'exigence sur chacune des 80 000 décisions qui sont prises chaque année, grâce à la collégialité de l'expertise, un cadre déontologique strict, une transparence et un dialogue permanent avec les parties prenantes. C'est donc mon parcours professionnel, mes 20 dernières années au sein des 3 grandes agences sanitaires qui m'amènent aujourd'hui devant vous pour poursuivre mon engagement au service de l'intérêt général à la tête de Santé publique France. Santé publique France occupe une place particulière dans mon parcours, vous l'aurez noté, mais surtout au sein de l'écosystème sanitaire. C'est l'agence qui surveille et décrit la santé de 67 millions de Français, identifie les risques qui menacent leur santé. C'est une agence qui accompagne les Français au travers d'actions de prévention, de promotion de la santé, afin d'agir sur les déterminants de la santé. C'est une agence qui éclaire les décideurs, apporte son expertise, y compris aux autres institutions,
produit et met à disposition des données de santé robustes, notamment au travers l'Observatoire cartographique Géode, qui en 2021, ce sont plus de 18 millions de visiteurs qui ont consulté cette plateforme. C'est une agence qui contribue aussi à soutenir le système de santé par la mobilisation de la réserve sanitaire et assure la gestion des stocks stratégiques grâce à l'établissement pharmaceutique. Ce sont plus de 200 millions de vaccins, de doses de vaccins Covid qui ont été distribués en métropole et outre-mer. L'agence s'appuie sur des compétences variées, des équipes implantées dans toutes les régions, sur des dispositifs de surveillance multisources, des grandes enquêtes, des outils de prévention, du marketing social, des services d'aide à distance, drogue infoservice, tabou infoservice. C'est d'abord des dispositifs de surveillance multisources qui ont montré leur performance pendant la crise sanitaire. Mais il faut les moderniser, les fiabiliser, les doter d'un schéma directeur, comme l'a relevé un récent rapport de la Cour des comptes. Rappelons que Santé publique France et ses partenaires ont réussi à développer en un temps record des systèmes d'information pour la gestion de la crise, sur lequel, bien entendu, il faut capitaliser pour créer des systèmes pérennes, connectés et interopérables. Santé publique France, ce sont aussi de grandes enquêtes dont les résultats éclairent sur l'état de santé des Français. Je pense notamment à l'enquête sur le bien-être et la santé mentale des enfants de moins de 11 ans. Je pense aussi à l'étude Canary sur l'imprégnation de la population antillaise par la chlordécone, ou encore les enquêtes Baromètre Santé, qui depuis 30 ans constituent un véritable observatoire de l'évolution des comportements des Français. Ces études sont indispensables pour nourrir les politiques publiques et évaluer leur efficacité sur les grands enjeux, santé mentale, obésité, addiction, maladies cardiovasculaires ou évidemment les expositions environnementales. Les données issues des dispositifs de surveillance, des enquêtes, permettent de suivre les déterminants de santé, de décrire le fardeau lié à chaque pathologie et contribuent à orienter les mesures de prévention et de promotion, incarnant ainsi le continuum de l'agence, de la connaissance à l'action, de la surveillance à la prévention. Santé publique France n'est pas la seule à intervenir dans le champ de la prévention. Elle fait partie d'un vaste réseau, que ce soit au niveau national ou territorial. Et le ministère de la Santé et de la Prévention est bien sûr à la tête de ce réseau. L'enjeu pour l'agence est de concentrer ses efforts sur des interventions efficaces et évaluées. Il peut s'agir d'interventions que l'agence conduit en direct. Je pense en particulier au dispositif Nutri-Score, mais c'est aussi l'agence qui anime et héberge le registre français des interventions efficaces et prometteuses en prévention et promotion de la santé. L'agence dispose d'un large périmètre qui est traduction d'une volonté née en 2016 de doter notre agence d'une agence de santé publique, forte scientifiquement et incarnant le continuum de la connaissance à l'action, de la surveillance à la prévention. Cela confère, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, à la Direction générale une responsabilité que j'entends assumer pleinement, si vous m'accordez votre confiance. Éclairer la décision publique et le citoyen sur la base d'expertise et de données scientifiques, favoriser les environnements favorables à la santé de tous. Pour mener à bien ces missions, l'agence a besoin de moyens. Le budget de Santé publique France a été adapté aux besoins de la crise. Il était de 4,5 milliards d'euros en 2022, dont 250 millions pour les missions socles en dehors du Covid. Mais les moyens restent contraints, comme ceux de l'État, notamment en ce qui concerne les effectifs. Compte tenu des enjeux sanitaires, de son périmètre et des attentes toujours plus fortes, qui sont les vôtres et celles de la société civile, notamment en matière de prévention et de la surveillance des émergences, les effectifs pourraient être quasiment illimités, mais nous ne savons que tel ne peut être le cas. Dès lors, l'agence doit entretenir des relations de confiance avec sa tutelle de manière à bien conduire ses missions au regard des arbitrages rendus. La direction générale doit également agir en manager attentif à ses équipes, faire des choix, hiérarchiser et garder un équilibre entre les sujets chauds et les sujets froids. Je souhaiterais ici, devant la représentation nationale, rendre un hommage appuyé à ces femmes et hommes de Santé publique France qui ont construit cette agence et qui, sans relâche, depuis 3 ans, ont lutté contre l'épidémie de Covid. Le déploiement en temps réel de la surveillance, la production quotidienne d'indicateurs, les centaines de millions de doses de vaccins rendues disponibles en tout point du territoire, les enquêtes auprès de la population,
sur l'impact hors Covid de la crise, notamment l'alerte donnée sur la santé mentale des Français. Les affiches dépliant, campagne de prévention, traque des variants, décryptage auprès des médias. C'est donc également pour mes futurs collaborateurs que je suis devant vous aujourd'hui, car j'aspire à contribuer à donner un sens au travail de chacun, à consolider la communauté de travail au sein de Santé publique France et porter les valeurs qu'ils incarnent. Pour y parvenir, trois priorités pourraient résumer les objectifs de mon mandat. Première priorité, une expertise indépendante, collégiale, au service des politiques publiques. Santé publique France est une agence scientifique dont les travaux d'expertise viennent en appui des politiques publiques. De la surveillance à la prévention, c'est avant tout la science qui fonde ses travaux et ses interventions. Elle doit continuer de s'appuyer sur une expertise pluridisciplinaire et collégiale, que ce soit pour l'expertise interne, très robuste à Santé publique France, que pour l'expertise interne. Ce qu'elle produit doit être utile aux politiques publiques et traduisible en décisions, leviers d'action. Son organisation, avec un niveau national et 16 cellules régionales placées auprès des ARS, doit être confortée. C'est ainsi que l'Agence nationale pourra adapter son action aux particularités territoriales. Deuxième priorité, c'est de faire de Santé publique France une agence ouverte. C'est le gage de gagner en visibilité et en crédibilité. L'ouverture, c'est le développement des collaborations avec des partenaires dont le périmètre d'action sont aux frontières avec celles de Santé publique France. Comme Santé publique France l'a déjà engagé avec l'ANSES sur l'exposition aux substances chimiques ou la future enquête conjointe ANSES-SPF, ou comme SPF l'a déjà engagé avec l'INSERM, l'ANRSMIE, le HESP, dans le domaine de la santé sexuelle, de la périnatalité ou de la santé des travailleurs. Des collaborations spécifiques sont nécessaires également avec la recherche sur des questions intéressant directement l'agence, sur les maladies émergentes notamment, ou la modélisation. C'est d'ailleurs ensemble que les deux agences, Santé publique France et l'ANRSMIE, ont porté la création du consortium Emergène, qui a permis de doter notre agence d'une capacité de séquençage hors normes pour surveiller les variants du Covid. Santé publique France ne dispose pas, comme l'ANSES, de moyens propres de financement de la recherche. Mais l'agence doit pouvoir adresser ses questions à la recherche et interagir étroitement avec elle. Il s'agit aussi de renforcer l'ouverture de l'agence et le dialogue avec les parties prenantes, la société civile, mais également les professionnels de santé, les acteurs du secteur médico-social. Ils sont des acteurs clés de la prévention. Nous nous appuierons sur eux pour déployer la feuille de route du ministre sur la prévention. Il s'agit aussi de contribuer à la diffusion d'informations scientifiques adaptées à tous les publics. C'est ainsi que nous pourrons lutter contre les fausses informations. Sur le plan européen et international, l'agence doit poursuivre l'impulsion donnée depuis quelques années par Geneviève Chêne. Troisième priorité, une agence qui anticipe, qui innove. C'est l'analyse des signaux précoces, par exemple, au travers des systèmes multisources et du travail en réseau. C'est développer les approches qualitatives. Et c'est évidemment l'analyse des données massives en santé, en partenariat avec les autres institutions, au travers notamment du Health Data Hub ou du Green Data Hub. C'est aussi poursuivre la mise à disposition en open data des centaines d'indicateurs de santé. Au sortir de ces trois années de Covid, je souhaite, aux côtés de tous les agents de Santé publique France, donner un élan fort et mobilisateur à l'agence, une agence d'expertise de haut niveau, ouverte au partenariat, aux parties prenantes et à l'innovation. Je souhaite aussi, enfin que Santé publique France reste à la disposition de votre commission, car je considère que éclairer la représentation nationale fait partie du rôle de l'agence et donc du mien, et je me livrerai à cet exercice chaque fois que j'y serai invitée. Je vous remercie. Merci bien. Donc nous allons passer au référent de la commission. Il s'agit de Cyril Isaac Sibyl pour 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale Adjointe, chers collègues, je vous remercie pour cette présentation et vous félicite pour votre parcours. L'Agence nationale de santé publique, également nommée Santé publique France, a été créée en 2016 suite à la fusion de quatre organismes. L'Institut de veille sanitaire, l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé,
l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et enfin le groupement d'intérêt public addiction, drogue, alcool, infoservice. Suite à cette réorganisation institutionnelle, cette agence a été dotée de missions multiples et complexes, l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations, la veille sur les risques sanitaires, la prévention et la promotion de la santé, la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, ainsi que le lancement de l'alerte sanitaire. Mais avec des moyens limités. C'est d'ailleurs là l'objectif de cette fusion, clarifier le cadre institutionnel, améliorer l'efficacité des politiques publiques en réunissant ces missions complémentaires au sein d'un même organisme et faire des économies. Donc votre institution est jeune. Nous avons tous lu le rapport de la Cour des comptes de décembre dernier qui dresse un premier bilan satisfaisant pour certaines missions, mitigé sur d'autres. Il souligne à la fois la réactivité et la souplesse de l'organisation de cette agence pour répondre aux besoins urgents liés à la crise sanitaire, mais aussi il souligne les difficultés de gestion, de coordination, d'efficience de certaines missions, et actions, notamment en faveur de la prévention et de la promotion de la santé. Vous avez travaillé plus de 10 ans au sein de l'Institut national de veille sanitaire devenu Santé publique France. Vous connaissez donc bien la maison et vous apprêtez à en prendre la tête. Nous avons nombreuses questions à vous poser. Les miennes se concentreront sur la politique de prévention et sur l'organisation. De par votre expérience, pouvez-vous nous indiquer ce qui fonctionne et au contraire ce qui peine à s'appliquer? Quelle mission avez-vous reçue ou vous donnez-vous à l'issue de votre nomination? Les objectifs sont-ils déterminés par le ministre, par la DGS, et avez-vous les vôtres? Je vous pose cette question car nous savons que cet établissement est passé sous la tutelle administrative et financière du ministère chargé de la Santé, mais certaines missions de cette agence relèvent de plusieurs ministères. Je pense notamment à la mission de prévention et de la promotion de la santé. Comment assurez-vous l'interministérialité de vos missions de prévention? Concernant la politique de prévention et de promotion de la santé, plusieurs questions. Qui pilote? Vous connaissez les multiples agences, hauts conseils, conseils scientifiques, organismes de veille qui donnent des avis concernant la politique de santé publique. Qui fixe les priorités? Actuellement, il existe 100 priorités. Et on sait qu'avec 100 priorités, ça veut dire qu'il n'y en a aucune. Selon quel indicateur? La Cour des comptes pointe le doigt sur les systèmes d'information multiples et souvent externalisés. Nous avons pu nous en rendre compte de cette fragilité de ces systèmes d'information lors de la crise Covid. Afin de développer cette politique publique, Santé publique France possède des expertises, et on les connaît, pour valider les actions probantes et les référentiels. À l'heure où la politique de prévention s'accélère, nous constatons que dans tous les domaines et H-clés, des centres de preuve se mettent en place. Un centre de preuve concernant la politique d'autonomie, qui pourrait être confié à la CNSA. Personne n'est en charge des expertises concernant la santé au travail, alors que nous examinons un test qui prévoit un fonds d'investissement de 1 milliard pour les actions de prévention d'entreprise. Il en va de même pour les actions auprès de la jeunesse, alors que l'éducation nationale pourrait profiter de votre expertise. N'est-ce pas le rôle de votre agence? Comment imaginez-vous justement ce rôle? Pensez-vous être associé à la stratégie, notamment à la stratégie nationale de santé? Santé publique France pourrait-il être le pilote, l'agence pilote, au niveau de la stratégie de santé publique et de prévention en France? Sachez qu'en tant que référent de la Commission des affaires sociales, vous pouvez compter sur moi et sur la Commission pour tisser des liens entre votre agence et cette Commission. Et je rappelle effectivement que nous avons eu l'occasion de visiter votre établissement lors du premier mandat. C'était peut-être la seule visite externe qu'on avait faite à Santé publique France. Donc vous pouvez compter sur notre travail et cette collaboration, et notamment, comme vous l'avez compris, par rapport au pilotage de la politique de prévention qui, pour le moment, est très variée et diverse. Et qui s'organise malheureusement en dehors de vous, alors que vous avez un rôle majeur par rapport à cette politique. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Didier Martin, donc pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Bienvenue parmi nous, madame Semail. Santé publique France, voilà une ambition vaste et importante dans un pays où la santé a fait l'objet d'un grand système de solidarité et que nous devons compléter par effectivement des moyens adaptés aux différents événements, dont les crises sanitaires telles que celles que nous venons de traverser. Mon intervention repose beaucoup sur la lecture du rapport récent de la Cour des comptes.
Et je commencerai par la question des alertes sanitaires. Santé publique France, demain, est invitée à renforcer la pertinence de ses dispositifs de surveillance et de déterminer les besoins futurs afin d'adapter la conduite de la politique de santé dans notre pays. De la même façon, et c'est la deuxième recommandation de la Cour, quel rôle Santé publique France peut jouer dans l'amélioration de la gestion des stocks stratégiques avec cette proposition qu'une autosaisine lui permette d'intervenir et de faire ses propres recommandations sans être saisie par sa tutelle en particulier. Cela peut nourrir l'espoir d'éviter des pénuries telles que nous les avons connues et que nous l'avons connue avec la question des masques, bien sûr, au début de la crise Covid. Deuxième partie concerne la stratégie globale de Santé publique France dans la lutte contre les maladies. Et j'aimerais que vous précisiez ce concept que j'ai découvert, je le reconnais, de fardeau global des maladies. Et en face, c'est la proposition numéro 3 de la Cour, comment établir ce référentiel des actions prometteuses et probantes. Nous vous attendons, bien sûr, sur les deux termes. Enfin, sur la question peut-être plus politique, sur la légitimité qu'on ne remet pas en cause de Santé publique France, mais sur son indépendance dans l'expertise collégiale, vous y avez insisté, pour déterminer les choix du ministère de la Santé. Quel rôle Santé publique France peut jouer, en particulier par rapport au Conseil de Santé publique ? Très bien, monsieur le député, merci. La parole est à monsieur Mathieu Martiot pour le Rassemblement national. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Chère Madame Semaï, vous avez un parcours brillant dans notre système de santé en tant que médecin infectiologue et en tant que dirigeante d'établissement public sanitaire. Il n'est donc pas question de remettre en cause vos compétences pour le poste de directrice de Santé publique France. Mais les députés de mon groupe et moi-même attendons des engagements après des récents scandales en matière de santé publique. SPF est chargé de la préparation et de la réponse aux menaces et aux alertes sanitaires. Et la crise Covid a montré notre désorganisation en la matière. Faut-il rappeler que des ministres toujours au gouvernement osaient affirmer en début de crise que le port de masque n'était pas nécessaire. Pourtant, dans le même temps, les autorités commandaient en urgence des masques à la Chine, alors que le camp militaire de Satory, à une dizaine de kilomètres de la capitale, en regorgeait. Après un tel scandale, pouvez-vous nous préciser votre feuille de route dans ce domaine de la préparation des crises ? Il y a urgence, car nous ne sommes ni à l'abri d'une autre crise sanitaire, ni à l'abri d'une attaque biologique au vu de la conflictualisation accrue, y compris en Europe. Par ailleurs, Santé publique France est une structure relativement récente, avec des enjeux en termes de gouvernance, de réinterrogation de dispositifs existants et de finances. C'est ce que rappelle la Cour des comptes par un rapport publié en décembre 2022. Nous savons que, face à ces enjeux, l'État et ses opérateurs ont une fâcheuse tendance à faire aussi appel à des cabinets de conseil. Après le scandale Mankinsey et les conséquences désastreuses des interventions du cabinet Capgemini à l'hôpital, pouvez-vous nous assurer que vous ne ferez pas appel à ces structures privées ? C'est ce que demande une circulaire de Jean Castex, et c'est dans le bon sens. La puissance publique dispose de nombreux atouts et de talents humains en interne, et vous en êtes l'exemple. Ma question est donc simple. Est-ce que, avec vous, les cabinets de conseil dans le secteur sanitaire, c'est terminé ? Je vous remercie. Très bien. Monsieur Adrien Clouet, pour la France insoumise, NUPES. Merci, Madame la Présidente. Madame Semaï, après l'annonce de cette audition, notre groupe a reçu un assez grand nombre de courriers de la part de salariés de Santé publique France, qui souligne une situation pour le moins paradoxale. Un organisme en charge des soins au plus grand nombre se retrouve en situation de maltraiter une partie non négligeable de ses salariés. C'est une situation qui nous paraît insupportable, à laquelle il faut mettre fin. Car ce n'est un secret pour personne désormais. Les missions que vous évoquez, qui ont une importance cruciale dans notre pays, information, veille, alerte, surveillance, réponse sanitaire, ont été désarmées par l'État dans les années précédant la crise du Covid, et ce, au profit notamment de prestations privées comme celles des cabinets McKinsey, dispendieuses et inefficaces. Par exemple, à sa création, la réserve sanitaire devait atteindre 50 personnes. C'était l'objectif fixé en 2007 par Xavier Bertrand. 15 ans après, il n'y en a plus que 21. C'est une liquidation en bonne et due forme. Face à un service à l'os, quelle perspective offrez-vous ? En outre, le baromètre social 2022 pointe une situation catastrophique.
71% des salariés déclarent encourir des risques psychosociaux. 62% disent que la prévention est inexistante. 46% se disent exposés à des risques dans le semestre. 35% connaissent un tel stress qu'ils ne parviennent pas à se déconnecter hors de leur emploi. Surtout, les salariés les plus anciens et expérimentés témoignent d'une défiance spécifiquement mentionnée à l'égard de leur direction générale. La presse et les syndicats se sont fait l'écho de ce malaise des salariés lié au sous-dimensionnement de l'organisme, la démultiplication des cellules, des services ad hoc, des frictions de périmètre, des couacs, et le plus souvent, ceux-ci conduisent à abîmer l'image de SPF. Sans doute, le fait d'avoir subi les choix politiques mentionnés ont évidemment renforcé la pression sur les agents et ont dégradé leur bien-être. Mais si vous avez connaissance de ce baromètre, comment comptez-vous y répondre pour améliorer les conditions d'exercice de l'activité? Par ailleurs, avez-vous connaissance et pouvez-vous partager avec nous les conclusions des deux missions diligentées en 2022 par l'inspection du travail et par l'IGAS? Finalement, le 8 novembre, les ministres de la Santé et des Solidarités ont annoncé constituer une future direction de préparation et de gestion des crises sanitaires. Quelle place, à vos yeux, pour Santé publique France en son sein? Très bien, monsieur le député. Monsieur Yannick Neuder pour Les Républicains. Madame la Présidente, Madame Semaille, merci pour votre exposé brillant, où on voit que de par votre cursus et votre engagement dans le soin, la recherche et l'enseignement, vous avez toutes les compétences pour assurer cette fonction. On a bien compris vos missions d'encadrement, de formation et de dialogue, et surtout vos passages importants au niveau de deux agences avec lesquelles vous allez énormément collaborer, l'Agence nationale de sécurité du médicament et puis l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. On a bien aussi entendu votre volonté de porter la prévention, la promotion, d'apporter votre expertise, d'avoir une vision particulièrement éclairée sur les stocks stratégiques. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui définit un stock stratégique? On pense tous aux comprimés d'iode, on pense tous aux masques, mais plus récemment, on voit que finalement des produits de première nécessité peuvent être qualifiés de stocks stratégiques. On a bien entendu également vos priorités, avec notamment votre volonté d'une expertise indépendante qu'on ne peut que saluer, une agence ouverte sur notamment la société civile. Est-ce que vous pourrez nous préciser le rôle des patients que vous envisagez de consulter ou pas, et puis votre volonté d'innover et de pouvoir travailler avec notamment tout ce qui est les données massives et les data et les open data. Cependant, le rapport de la Cour des comptes montre effectivement un certain nombre de difficultés au-delà de la souplesse et de l'agilité qui a été évoquée. C'est la difficulté de coordination de l'ensemble des actions, et j'ai apprécié les questions du rapporteur Isaac Sibyl sur qui pilote et envisagez-vous de piloter vous-même ou qui, de nous préciser vos priorités, les indicateurs, et puis deux sujets ont été évoqués très rapidement, la santé au travail. On est en train d'étudier une loi importante sur la modification des retraites. La santé au travail est un vrai sujet, notamment dans les territoires avec une difficulté d'accès à la médecine du travail. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez évoquer le sujet? Et puis, dernier point très rapidement, on peut quand même s'interroger, quand on voit les multitudes d'agences et les moyens qui leur sont consacrés, d'avoir été obligé de recourir à des cabinets conseils pendant la crise Covid, interroge. La parole est à monsieur Vigier pour le groupe démocrate, Modem et Indépendants. Merci, madame la présidente. Madame Semaille, d'abord, tout à l'heure, vous avez dit dans votre propos liminaire que vous aviez travaillé avec l'association Aide, dont j'ai une pensée pour son président fondateur, qui s'était éteint hier, ce sociologue qui a beaucoup fait pour lutter contre le sida. Moi, ma première question, et je fais partie de ces députés qui s'étaient opposés à l'époque à la fusion dans la loi Touraine de l'EPRUS, de l'INVS, de l'IMPES. Et donc, parce qu'il y a un côté opérationnel, et d'ailleurs, Cyril Isaac Sibyl l'a très bien dit tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous parler de la réserve. La réserve, mes chers collègues, qui a été mise sous tension, vous le savez, pendant le Covid, ce sont 9 agents titulaires. 9 agents titulaires qui doivent animer un réseau de 65 000 personnels soignants qu'on a dû déployer sur le territoire. Alors, je sais bien, il y a eu quelques recrutements qui ont eu lieu, des CDD qui ont été mis en place, mais on sait que c'était extrêmement difficile, extrêmement tendu. Leur charge de travail étant multipliée par 10, et avec, comme vous le savez, naturellement un lien direct avec la cellule du ministère en charge, justement, des crises sanitaires. Donc, Madame Semaille, si vous prenez la direction de cette agence, qu'est-ce que vous pouvez garantir comme augmentation de moyens pour cette partie opérationnelle très forte
Là, on n'est pas uniquement dans la prévention et dans l'épidémiologie, on est dans le caractère immédiat d'action sur le terrain. Qu'est-ce que vous allez prendre comme disposition? Allez-vous mettre des moyens de fonctionnement? Ça a été un peu dit par notre collègue tout à l'heure. Parce que s'ils ne sont pas au rendez-vous, cette mission, vous ne l'assurerez pas. Or, c'est une mission absolument stratégique. On n'est pas à l'abri, naturellement, d'une nouvelle pandémie. Et me semble-t-il, au sortir de ces 3 années, je crois que le caractère opérationnel doit être absolument mis en avant. Pensez-vous, enfin, que cette réserve sanitaire ne devrait pas plutôt être rattachée directement à la cellule du ministère? Parce que ce côté opérationnel, on sait très bien, j'étais dans la commission d'enquête au départ sur la Covid, et on voyait les tiraillements qu'il pouvait y avoir entre le ministère, la Direction générale de la Santé bien. Et Santé publique France. Très merci. Bien. Très bien, monsieur le député. Monsieur Jérôme Guedge, non. Monsieur François Gernigaud. Il va arriver. Merci, madame la présidente, madame Somaille. Tout d'abord, je souhaite vous féliciter pour votre parcours qui vous amène aujourd'hui devant notre commission pour votre nomination en tant que directrice générale de Santé publique France. Ma question porte sur le grand âge. Comme il est souvent rappelé en ce moment dans le cadre des débats sur les retraites, nous faisons face à un vieillissement très important de notre population. Nous savons que le nombre de personnes âgées va enregistrer une croissance inédite au cours de cette décennie et celles qui vont suivre. En effet, la population de 60 ans et plus en France est estimée à 15 millions aujourd'hui et il est prévu que ce nombre atteigne 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. De plus, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd'hui à 5 millions en 2060. Il va donc tripler quand l'âge de la perte d'autonomie intervient en moyenne à 83 ans. Cela pose des défis importants de santé publique, en particulier pour la prévention de la perte d'autonomie et l'assurance d'un suivi adéquat pour les orienter vers les bons soins, dans l'unique objectif d'améliorer leur qualité de vie et accorder le droit au bien vieillir. Alors que nous connaissons les difficultés qui se posent déjà aujourd'hui au sujet de la prévention de la perte d'autonomie, sur notre capacité à accompagner la personne âgée dans un parcours de soins, dans un parcours résidentiel, au bon âge, il nous faut réfléchir et mettre en place, il me semble, de nouveaux mécanismes de prévention qui fonctionnent pour prévoir, anticiper les augmentations à venir et permettre à chacun de rester le plus longtemps possible à domicile. J'aimerais savoir comment Santé publique France peut accompagner, participer à l'élaboration d'une politique efficace de prévention de la perte d'autonomie à l'aune de cette augmentation inédite du nombre de personnes concernées. Je vous remercie. Très bien, merci bien. La parole est à monsieur Califère pour le groupe socialiste. Merci, madame la présidente. Madame la directrice, vous êtes saluée et vous êtes félicitée. Vous avez fait état de votre parcours et de votre connaissance des différentes structures de la santé. Vous avez insisté sur la partie prévention et vous savez que notre pays a grand besoin d'une structuration de la prévention et d'une action forte en matière de prévention. L'Agence française de santé publique a des missions plurielles, des engagements multiples. Les rapports de la Cour des comptes sont encourageants, bien sûr, et vous accordent des marges de manœuvre. Les questions qu'on pourrait vous poser en ces instants de prise de fonction, ce serait quels sont les outils d'innovation pour l'anticipation. Et quand nous disons anticipation, anticipation des crises. Et nous venons de connaître une crise majeure qui s'est présentée sur les territoires nationaux avec des acuités différentes et des réponses aussi différentes de la nation. Quelles sont aussi quelle organisation opérationnelle pour la gestion des stocks stratégiques? Quelle est aussi votre ligne ou vos orientations pour solder la gestion catastrophique de la crise Covid? Vous êtes spécialiste, vous l'avez dit, de maladies infectieuses et vous n'êtes pas sans savoir que nous serons de plus en plus
affectés par ces maladies-là. Et il y a lieu aussi pour nous et pour vous qu'on puisse s'engager dans une prévention et surtout dans l'information. Votre budget est de 4,5 milliards. Quelle serait votre place ou quelle place donnerez-vous à l'agence entre les cabinets de consultants et l'indépendance que vous souhaitez avoir par rapport au gouvernement? En tout cas, félicitations et nous souhaitons travailler avec vous pour le mieux-être de nos populations. Très bien, merci Monsieur le député. La parole est à Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente. Madame Sima, il y a trois thèmes que moi j'aimerais aborder ce matin. D'abord, la question de la santé mentale. On sait que la crise Covid a eu un impact fort sur la santé mentale, avec notamment une augmentation des hospitalisations pour suicide chez les jeunes. Vous avez énuméré une partie des actions faites. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur les dispositifs de prévention mis en place par Santé publique France, et en particulier concernant les dispositifs spécifiques d'aide à distance pour les personnes LGBT en difficulté et les femmes victimes de violences? Et puisque c'est sur le site internet de Santé publique France, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Quelle est votre position sur le remboursement des suivis psychologiques au même titre que la médecine générale? Deuxième point, la question de la santé des personnes LGBTQIA+, notamment le cas de la variole du singe. Il y a beaucoup d'associations LGBT qui ont fait part de leur crainte d'une nouvelle stigmatisation sur la base des comportements sexuels, comme ça, ce fut le cas pour le VIH. Vous avez eu une expérience là-dessus. Ma question, c'est comment est-ce que vous évaluez la stratégie de prévention et de vaccination mise en œuvre pour ce virus? Quels mérites et quels risques vous voyez en général au ciblage de la prévention? Est-ce qu'il vaut mieux porter un discours public de prévention universaliste ou le cibler? Et enfin, je terminerai sur la question de la santé des femmes. C'est une femme sur six qui n'aurait pas de suivi gynécologique et une sur dix qui aurait renoncé à la contraception en raison de son coût. C'est encore pire si on s'intéresse aux femmes en situation de handicap, puisque selon une étude réalisée en Île-de-France, ce serait 58% d'entre elles qui bénéficieraient d'un suivi gynécologique régulier et 85% qui auraient accès à la contraception. Il y a de nombreuses pathologies féminines qui sont sous-évaluées et mal considérées, comme l'endométriose, qui n'est à ce jour pas encore reconnue dans la liste des affections de longue durée. Quel est votre regard sur la question de la négligence de la santé des femmes? Quels dispositifs mettez-vous en œuvre ou prévoyez-vous de mettre en œuvre pour améliorer la prévention et l'accès aux soins des femmes? Je vous remercie. Très bien, merci. Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, NUPES. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame Semaille. Le sentiment que j'ai, c'est que vous allez arriver dans un organisme qui est en dépression, et je crois qu'il l'était déjà en fait avant la crise Covid. Les échanges que nous avions pu avoir avec un certain nombre d'acteurs de Santé publique France laissaient en tout cas à le penser, avec les suites de la fusion qui avait débouché sur la création de l'organisme, l'abandon progressif d'un certain nombre de missions, en tout cas laissées de côté, laissées dans l'ombre, avec des parts non remplacées, des missions qui retombent sur des personnels qui en avaient déjà suffisamment. Et donc, je crois qu'il y a là un véritable problème de moyens. Vous l'avez pointé dans votre intervention, mais je voudrais connaître plus précisément le diagnostic que vous pouvez faire à ce propos. Je pense également qu'il y a besoin de tirer les leçons de la crise Covid, la manière dont elle a été gérée, la place qui a occupé Santé publique France. On a le sentiment que Santé publique France, en fait, n'y a pas occupé la place qui aurait dû être la sienne, et qu'elle a été même contournée, et y compris par le recours à des cabinets de conseil dont ce n'était pas la place. Je pense à la stratégie vaccinale, en l'occurrence. Quel regard portez-vous sur cette réalité-là, et que comptez-vous faire pour que, y compris, nous puissions, avec un peu plus de recul, tirer les leçons de la façon dont a été gérée la crise Covid, et que pouvons-nous en dire pour l'avenir? Je voudrais également vous interroger sur les questions de prévention, sur les moyens que vous pensez déployer sur les questions de prévention et de promotion de la santé, particulièrement, par exemple, autour du développement des registres des cancers. Que pensez-vous de cette manière de procéder, de leur déploiement dans notre pays, pour mieux comprendre, en tout cas, les facteurs de risque? Et peut-être, dernière question également, sur les maladies liées au travail, sur la santé au travail, les maladies éliminables professionnelles. Que comptez-vous faire pour que Santé publique France s'empare mieux de ces enjeux-là et se dote d'outils plus performants pour faire face? Très bien. Donc, je vais déjà donner la parole à Madame Semaille pour les premières réponses. Et ensuite, voilà, je passerai la parole aux députés, puisqu'il y a une dizaine de questions. Mais Madame Semaille préfère déjà répondre à la première salve de questions.
Merci, Madame la Présidente. Donc, je vous remercie pour toutes vos questions. Donc, je vais essayer de répondre à tout. Donc, déjà, il y a eu beaucoup de questions sur tout ce qui est relatif à la coordination et le rétexte de la crise sanitaire. Donc, vous le savez tous, hein, cette crise sanitaire a été quand même exceptionnelle hein, de par son ampleur et son impact à la fois à court terme, long terme, hein, en termes de maladies chroniques, d'impact sur la santé mentale. Donc, pour en avoir vécu plusieurs autres avant, celle-ci était quand même bon, exceptionnelle. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, effectivement, il est important de faire un rétexte. Alors, le rétexte est actuellement en cours, bien entendu, puisque vous le savez, et le ministre l'a annoncé, il y a une réflexion sur une direction de crise qui serait portée au ministère de la Santé. Alors, ce rétexte est évidemment essentiel, puisque on a vu que les agences et le ministère ont réussi à répondre, à être présents au moment de la crise et remplir leurs devoirs vis-à-vis des citoyens, mais on peut faire mieux, bien entendu. Donc, de toute façon, il y aura une coordination entre la future direction de crise et Santé publique France, parce qu'on voit que ce qui est très important dans les crises, c'est qu'il y a une animation, une coordination, une tête de réseau. Donc, moi, je salue la direction, cette nouvelle direction de crise. Je pense que c'est, pour les futures crises, quelque chose de très bien. Il faut clairement qu'il y ait une animation et une coordination. D'autre part, on sait que le paysage a beaucoup bougé. Hein. Déjà, beaucoup d'agences ont travaillé au niveau national, mais aussi au niveau européen. L'Europe a beaucoup bougé aussi pendant la crise. Ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, c'était l'achat des médicaments et donc des vaccins en commun. On a aussi au niveau européen donc cette nouvelle agence européenne, ERA, de préparation aux urgences, qui est créée depuis septembre 2021. Donc on voit bien que tout le monde, que ce soit au niveau national, au niveau européen, où d'ailleurs chaque État membre est en train de revoir comment organiser au mieux pour la prochaine crise. Donc, il est logique d'en tirer des leçons. Je trouve ça normal aussi qu'il y ait vraiment en période de crise, qu'il y ait des circuits courts et une coordination forte du ministère. Mais de toute façon, ça ne se fera pas sans Santé publique France, qui est, comme vous l'avez souligné, un acteur essentiel de la gestion de crise. Donc ça, c'est pour le premier point. Vous avez beaucoup parlé aussi de la réserve sanitaire, hein, qui effectivement a rendu beaucoup de services pendant la crise. Elle n'avait pas été confrontée, elle avait déjà été utilisée pour éventuellement donner au niveau des d'outre-mer de pouvoir seconder les professionnels de santé en présence. Mais c'est vrai que ce qu'on lui a demandé de faire pendant la crise sanitaire était quand même d'un tout autre ampleur. Et vous avez cité 65 000 personnes qui sont dans cette réserve sanitaire. Oui, il y a 65 000 inscrits, mais finalement, il n'y en a que 10 000 pour lesquels on a vraiment les dossiers, pour lesquels on peut éventuellement les mobiliser. Et finalement, il n'y a que quelques milliers qui sont mobilisés. Donc c'est vrai qu'il faut aussi s'interroger sur cette réserve sanitaire. Beaucoup de personnes inscrites, mais finalement peu de mobilisables. Donc il faudrait aussi comprendre pourquoi entre les 65 000 et les 10 000 qui sont réellement mobilisables, qui est en gros un dossier d'inscription qui a abouti jusqu'au bout, comment on pourrait motiver plus et aussi comment on pourrait mobiliser au niveau territorial. Il y a beaucoup d'ARS qui ont dit qu'ils avaient des personnes au niveau des territoires qui pouvaient être mobilisées sur leur propre territoire et pour lequel passer par la réserve sanitaire était peut-être un frein. Donc oui, il y a la réserve sanitaire est un formidable outil. Il faut pouvoir la consolider, augmenter les moyens. Et vous avez parlé de la rattacher au ministère. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas où ira la réserve sanitaire, mais je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un peu de stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réserve sanitaire est chez Santé publique France. On a besoin, là, dans les mois à venir ou dans les années à venir, au regard des enjeux, hein, je pense notamment à la Coupe du monde du rugby et les Jeux olympiques, on a aussi besoin de stabilité. Vous l'avez tout souligné, Santé publique France est une agence finalement assez jeune, hein, créée en 2016, qui de plein fouet a pris la crise quelques années après. Donc on a aussi besoin de stabilité. Alors vous avez aussi, je reviendrai alors sur les stocks stratégiques.
Vous avez souligné effectivement la proposition de la Cour des comptes de laisser la possibilité à Santé publique France de s'auto-saisir sur les stocks. Bon, sachez que j'y suis a priori tout à fait favorable, de part d'ailleurs de mon parcours et puis aussi de mon passage à l'ANSM. J'ai effectivement une bonne connaissance de ce que représente un produit de santé et comment il faut pouvoir gérer éventuellement un stock stratégique. Donc, sur ce point-là, je peux vous rassurer, j'y suis plutôt favorable. Je voulais juste revenir sur les stocks stratégiques. On a beaucoup parlé de la problématique des masques. Alors, c'est vrai qu'il faut probablement distinguer le stock et la distribution. Donc, les stocks, c'est une chose, et effectivement, s'auto-saisir est une possibilité. Il y a aussi la distribution. Et donc, quand même, je voudrais quand même souligner le travail exceptionnel qui a été fait pendant la crise pour à la fois donc acheter les masques, hein, 4 millions de masques, acheter les vaccins et après les distribuer. On a quand même, Santé publique France, au cours de la crise, a distribué plus de 200 millions de vaccins Covid partout en métropole et dans d'autres régions, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, on pourra revenir sur les chiffres si vous les contestez. Seule alors, Madame Semaille a bien la parole. Sûr. La distribution, la Santé publique France n'est pas seule. Elle est le levier au départ pour distribuer parce qu'il faut bien les sortir des plateformes puisqu'il y a 19 plateformes et une plateforme nationale. Alors, vous avez aussi, je reviendrai sur la prévention, mais vous avez été nombreux, je crois, à évoquer les risques psychosociaux qui existent aujourd'hui à Santé publique France. Et donc, vous avez fait état, effectivement, de nombreux messages que vous avez reçus du personnel de Santé publique France. Alors, sachez premièrement, qu'effectivement, vous l'avez souligné, j'ai un parcours de 20 ans dans les agences de sécurité sanitaire. Donc, je connais les agents, qu'ils soient quelque part des agents de l'ANSES, de l'ANSM ou de Santé publique France. Ce sont des agents extrêmement engagés dans leur travail. Donc, je comprends qu'au sortir de la crise Covid, où Santé publique France a quand même été parfois malmenée dans un certain nombre de rapports, de la Cour des comptes, des rapports qui ont été faits tout au cours des 3 dernières années, je comprends tout à fait que les agents aujourd'hui se sentent peut-être un peu décrédibilisés. Donc, je voudrais d'abord, et c'est pour ça que je l'ai redit dans mes propos liminaires, saluer le travail des agents de Santé publique France pendant ces 3 années qui se sont mobilisés à la fois sur la crise et qui ont continué à travailler sur tout ce qui est les dossiers froid, hein, parce que les dossiers chauds, c'est une chose, ils prennent le pas, mais il y a aussi tous les dossiers froids. Donc, je veux à nouveau souligner le travail de tous les collaborateurs de Santé publique France et vous rassurer, c'est que je connais donc bien les agents, j'ai une expertise, je suis aussi un manager, et donc je serai tout à fait attachée, dès que je prendrai la tête de Santé publique France, si vous m'accordez votre confiance, je ferai un diagnostic très rapidement sur les problèmes, les risques psychosociaux que vous avez évoqués. J'ai déjà demandé effectivement à la directrice générale par intérim de rencontrer les inspecteurs de l'IGAS. Vous avez cité un rapport de l'IGAS sur les rapports psychosociaux. J'ai demandé déjà à les rencontrer personnellement dès que je prendrai mes fonctions. Vous avez aussi cité le fait que vous avez reçu beaucoup de messages du personnel de Santé publique France. Alors, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais moi-même, j'ai reçu beaucoup de messages des agents de Santé publique France qui ont exprimé le fait qu'ils étaient, disons, rassurés ou heureux que je puisse venir prendre la tête de Santé publique France, puisque quelque part, j'ai, de par mon parcours, une certaine légitimité à prendre donc, la tête de Santé publique France du fait de ma proximité avec les agences et ma proximité avec les thématiques qui sont aujourd'hui celles de Santé publique France. Alors, vous avez aussi évoqué réserve sanitaire. Vous avez évoqué tout ce qui était le vieillissement des populations. Donc vous avez raison, hein, de toute façon c'est vrai qu'on a une population qui aujourd'hui est déjà importante, une population âgée importante et la population de fait va vieillir. Donc l'émission de Santé publique France d'une part, c'est estimer le fardeau. Il est très important pour guider les politiques publiques de disposer des données, d'estimer ce que j'appelle le fardeau. C'est quoi par exemple la proportion des maladies de neurodégénératives. On ne peut pas travailler sur des politiques publiques si on est aveugle et si on n'a pas les chiffres.
Donc oui, je pense qu'effectivement, Santé publique France doit absolument avoir, ça doit être, c'est dans ses missions d'avoir, de pouvoir estimer le fardeau, donc le poids des cancers, bien entendu, mais aussi des maladies neurodégénératives. Et après, quelles seraient les actions? Alors, les actions, éventuellement, il y en a à faire au niveau aujourd'hui de la population qui est déjà âgée, mais il faut aussi anticiper, et donc c'est aussi les actions de Santé publique France qui sont d'anticiper, c'est-à-dire que il faut aujourd'hui accompagner la population qui aujourd'hui est âgée, mais il faut aussi prévenir et anticiper la population qui aujourd'hui a 45-50 ans, j'en fais partie, il faut aussi l'accompagner pour qu'elle mette en œuvre toute la prévention possible. Et je pense évidemment à l'obésité, prévention de la sédentarité, prévention des risques cardiovasculaires. Ça passe évidemment aussi par tout ce qui est lutte contre les déterminants de la santé, tabac, alcool, etc. Donc, je pense qu'on a aussi ce rôle d'anticipation et d'embarquer les plus jeunes, pour qu'ils arrivent en fait en bonne santé lorsqu'ils seront plus âgés. Et ça, c'est important dès 40 ans, mais en fait aussi inculquer ces valeurs, on l'a dit, et je pense que c'est très important, dès le plus jeune âge, et donc chez les jeunes de moins de 20 ans. On sait même à la naissance tout l'impact effectivement de l'importance de tous les déterminants de santé très tôt dans la vie de tous. Alors après, il y a eu des questions, et c'était donc monsieur le rapporteur, sur la prévention. Donc la prévention, effectivement, sur les dernières années, Santé publique France a été beaucoup mobilisée sur la crise, hein, les sujets chauds, et je parlais du difficile équilibre entre les sujets chauds et les sujets froids. Donc il est très important de consacrer là, aujourd'hui, du temps au niveau de Santé publique France sur tout ce qui est prévention et promotion de la santé. Alors, je l'ai cité dans mon propos liminaire, je pense qu'effectivement, Santé publique France n'est pas seule à porter la prévention, elle ne pourrait pas, avec son budget, comme vous l'avez souligné, et sur le fait que nous, Santé publique France n'a que, entre guillemets, 700 collaborateurs, donc seule Santé publique France ne peut pas porter toute la prévention et la promotion de la santé. En revanche, elle peut être tête de réseau. Elle peut, comme elle le fait aujourd'hui, pousser des actions en direct ou se registre des actions prometteuses et probantes. On en a beaucoup parlé. Je pense que c'est très important qu'effectivement Santé publique France puisse évaluer et puisse mettre en avant pour que se saisissent au niveau de tous les territoires toutes ces actions probantes. Les actions probantes, c'est celles qui sont vraiment évaluées, qui ont fait l'objet d'une publication dans la littérature scientifique. Donc celles-ci sont très solides. Et donc c'est l'objet aussi de registres, qu'elles soient dans le registre et qu'on puisse les mettre à disposition de tous les acteurs de la santé, et donc notamment au niveau territorial. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir ce qu'on appelle aussi ces actions prometteuses, c'est-à-dire des actions pour lesquelles on a quelque part une présomption, voilà, je cherchais parce que c'est le même mot d'ailleurs dans les médicaments et il était en train de m'échapper, une présomption d'efficacité. Parce qu'en fait, les actions probantes, souvent, c'est des actions très solides qui ont été évaluées, mais pour pouvoir évaluer des actions de prévention, ça prend du temps. Or, parfois, il faut pouvoir mettre en place des actions plus rapides. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fermer la porte à ces actions qui sont plus prometteuses, pour lesquelles on a une présomption d'efficacité. Je pense qu'il faut garder dans le panel des actions qui soient voilà, prometteuses, pour lesquelles on est un peu plus innovant, parce que forcément, elles sont plus récentes. Et donc, il faut absolument aussi laisser de la place à ces actions qui sont, pour lesquelles il y a une présomption d'efficacité, exactement comme le modèle des médicaments, où il y a les produits qui ont fait vraiment leur preuve de leur efficacité, et puis des produits pour lesquels il est intéressant de les mettre à disposition précocement, dans le cadre d'impasse thérapeutique, pour lesquels on a une présomption d'efficacité. Alors, vous avez aussi parlé du pilotage, donc je pense qu'effectivement, Santé publique France peut totalement participer en fait à la prévention, mais il est clair qu'il faut aussi un pilotage du ministère de la Santé. Et je pense que la feuille de route du ministre qui a mis la prévention dans toutes les politiques est quelque chose qui va beaucoup nous aider, nous aussi, Santé publique France, pour pouvoir pousser nos actions de prévention.
Donc, dans les actions qui marchent, vous m'avez demandé de citer quelques actions qui marchent. Ben, je pense que quand même Nutri-Score, qui même s'il a été un peu décrié au départ, aujourd'hui, force est de constater qu'il fait partie de la vie de tout le monde et qu'en 2022, le Nutri-Score, qui est donc un score de nutrition hein, en 5 classes de couleurs, en 2022, finalement, ça passe pas finalement, d'ailleurs, c'est l'évaluation de cet outil Nutri-Score a montré que les citoyens, que ce soit les jeunes d'ailleurs ou les adultes, dans 95% connaissaient le Nutri-Score. Donc voilà, on a un outil qui est connu, voilà, qui est une sorte de notoriété, qui en plus maintenant va être de plus en plus utilisé dans les autres pays européens, puisqu'on a 5 ou 6 autres pays qui sont en train de s'approprier ce Nutri-Score. Donc voilà, c'est une première étape et donc il va falloir effectivement qu'on aille encore plus loin. C'est un outil, ce n'est pas le seul, mais bien sûr, il sert déjà de base. Coordination. Vous avez cité aussi l'indépendance de l'expertise aussi. Alors, je l'ai dit, effectivement, pendant mes propos liminaires, l'agence n'est pas une agence autonome puisqu'elle est sous l'égide du ministère de la Santé. Nous avons une tutelle qui est le ministère de la Santé. Alors, effectivement, nous ne sommes pas comme d'autres agences. Je pense à l'ANSES, qui a plusieurs ministères de tutelle. Il ne nous a pas échappé qu'effectivement, Santé publique France a un seul ministère de tutelle. Pour autant, ça n'empêche pas Santé publique France de travailler avec d'autres ministères. Et d'ailleurs, ils sont tous, 8 sont présents au conseil d'administration de Santé publique France. Donc, voilà, ça, c'est un point important. Et en termes d'indépendance, de l'expertise, je l'ai souligné dans ma priorité. Ma première priorité, c'est vraiment une expertise indépendante. Et pour qu'elle soit indépendante, elle doit vraiment s'appuyer sur de la collégialité. De la collégialité interne et de la collégialité externe. Donc, je pense que c'est très important de s'appuyer aussi sur une collégialité externe, bien entendu, en respectant tout le cadre déontologique, etc., etc., sur lequel je suis extrêmement sensible, bien entendu. Vous m'avez demandé, je crois, de préciser ce que j'appelle le fardeau. Ben, c'est un petit peu quand j'ai parlé le fardeau des maladies. C'est pour moi, il est très important de connaître en gros la prévalence, la fréquence, donc le fardeau des maladies importantes. Des cancers notamment, ou comme je l'ai cité tout à l'heure, des maladies neurodégénératives. Parce que sans ces chiffres, et je pense que ça, Santé publique France vraiment a une mission, sans ces chiffres, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas porter des politiques publiques. Les chiffres, c'est un peu le nerf de la guerre. Sinon, on est aveugle. Est-ce que j'ai répondu à peu près à tout le monkeypox, vous m'avez demandé, santé mentale et monkeypox. Vous m'avez effectivement interrogé sur la vaccination monkeypox. Alors, moi, je l'ai vécu du côté de l'agence du médicament. Un point important, on a quand même eu de la chance, en fait, d'avoir des stocks stratégiques sur des vaccins. Alors, ce n'était pas des vaccins pour le monkeypox. Au départ, c'était les vaccins pour la variole. Mais on a vraiment eu la chance en France de pouvoir utiliser ces vaccins de la variole et de pouvoir les utiliser, donc, justement, sur cette épidémie qui nous a, pour être tout à fait honnête, prise de court. C'est vrai que la rapidité des premiers cas de monkeypox nous a quand même pris de court. Les actions ont été mises en place très, très vite, puisque justement, Santé publique France a pu définir des cas, investiguer les cas, a pu aussi faire de la prévention, puisque c'était beaucoup des cas qui intervenaient dans la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Donc, Santé publique France a pu très vite mobiliser, au-delà de l'investigation des cas, de définir les cas, de pouvoir les compter et de voir la progression des cas, de mettre aussi en parallèle des actions de prévention dans les barguets, etc. Donc ça, on voit bien que finalement, quand même, monkeypox illustre aussi ce continuum de l'épidémiologie à la prévention et à l'action, puisqu'il a été possible aussi d'utiliser les vaccins contre la variole qui ont montré leur efficacité contre le monkeypox. Sur la santé mentale, alors évidemment,
au sortir de ces 3 années de Covid, la santé mentale de tous les citoyens est très importante, à la fois des jeunes, hein, puisque on sait qu'il y a beaucoup de passages aux urgences, soit pour des idées suicidaires, soit pour des tentatives de suicide. Donc on sait aussi que la santé mentale s'est détériorée, pas seulement pour les jeunes, mais pour les concitoyens. Donc il est très, très important d'aujourd'hui mesurer la santé mentale à travers toutes les enquêtes que mène Santé publique France. Et donc, Santé publique France va s'attacher, elle s'attache déjà, et j'y veillerai, à ce que la santé mentale fasse partie de toutes les enquêtes, et notamment tous les dispositifs d'enquête qu'il y a auprès du travail, hein, santé au travail, puisque vous savez que Santé publique France développe et mène beaucoup d'enquêtes dans le milieu du travail. Je pense à Cosette, par exemple, et les cohortes Cosette. Et donc, bien entendu, il faut utiliser tous ces dispositifs d'enquête qui sont déjà en place pour pouvoir mesurer la problématique de la santé mentale. Alors, je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Ah oui, si les vous avez été plusieurs à souligner l'utilisation des cabinets. Alors, bon, je ne vais pas forcément me prononcer là-dessus. Enfin, j'ai pas, voilà, aujourd'hui, je pense que voilà, nous sommes en situation normale et je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas, enfin voilà, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à des cabinets de consultants, sauf situation extrême. Et encore, je ne sais pas aujourd'hui ce que serait la situation extrême. Donc aujourd'hui, de toute façon, je vais faire avec mes collaborateurs et puis avec le budget qui nous est octroyé. Et bien entendu, comme je le disais dans mon propos liminaire, dans le cadre d'un dialogue concerté avec la tutelle, qui est le ministère de la Santé, puisque nous avons des arbitrages qui sont rendus par le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas d'actualité. Et je vais m'appuyer, d'une part, sur mes collaborateurs, d'autre part, et c'est pour moi quelque chose de très important, sur le partenariat. Donc je disais que je tiens absolument à ce que Santé publique France soit une agence ouverte. Je pense qu'on est nombreux à travailler dans le domaine de la santé, à la fois au niveau national, les autres agences ou d'autres organismes, et à la fois au niveau territorial. Donc, je pense que ma priorité, plutôt que les cabinets de conseil, ça sera clairement de travailler en partenariat avec les autres agences, les autres institutions et l'échelon territorial. Merci bien, Madame Semail. Donc, je vais passer la parole donc aux autres députés. Alors, mes chers collègues, vous êtes très nombreux, 18, 2 minutes, 36 minutes... Je vous laisse faire le calcul. Donc, si vous pouviez effectivement aller directement à vos questions et être concis, ce serait vraiment fort sympathique et laisser un peu de temps à Madame Semail pour répondre à toutes les questions et éviter bien sûr les redondances, les redites, s'il vous plaît. Alors, je commence tout de suite par Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci, Madame la Présidente. Madame Semail, merci pour votre propos liminaire et félicitations pour votre parcours. J'aurais 3 questions. L'un des champs de compétences de Santé publique France est d'assurer la mise en œuvre d'un système de veille et de surveillance afin d'anticiper les risques sanitaires. Quels enseignements tirez-vous et souhaiteriez-vous proposer suite à la période de pandémie que nous avons passée ? Concernant le stock de vaccins, que proposez-vous concernant la question des stocks actuels de vaccins contre le Covid-19 non utilisés, dont la durée de validation est limitée dans le temps et sur la manière dont ils se sont écoulés ? Concernant la vaccination des enfants anti-Covid-19, on observe que moins de 5% des 5-11 ans ont reçu un schéma complet. C'est une singularité par rapport à nos voisins, avec des taux élevés en Espagne et au Portugal, de l'ordre de la moitié et d'un tiers pour l'Italie ou encore la Belgique. Comment appréhendez-vous ces réticences face à la vaccination des enfants ? D'autre part, dans le domaine de la prévention, l'endométriose touche en général, en France, 10% des femmes en âge de procréer, soit 1 million à 2 millions et demi de femmes, avec un diagnostic intervenant souvent tardivement. Le délai estimé est en moyenne de 7 ans. Un test salivaire est développé par une société française en attente de validation par l'HAS. Comment envisagez-vous de mieux faire connaître et prendre en charge cette maladie qui s'inscrit dans la continuité des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose ? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Thibault Bazin.
Merci, Madame la Présidente. Madame Somaille, vos propos appellent plusieurs questions. Comment développer, selon vous, une expertise indépendante pour l'agence si vous êtes sous l'égide du ministère de la Santé ? La Cour des comptes a pointé plusieurs points à corriger, l'obsolescence, le risque de défaillance des systèmes d'information, les missions à clarifier. Elle a évoqué aussi la multiplication des structures ad hoc. Et franchement, Madame Somaille, n'y a-t-il pas un risque de doublon, de surcoût, d'incohérence et d'indifférence quand les responsables nationaux n'arrêtent pas de multiplier des comités et ces structures ad hoc? Enfin, sur la question de la gestion Covid, vous avez été très positive et c'est vrai que ça, vous avez l'agence a apporté dans la lutte, mais il y a quand même eu des défaillances avec du retard dans la fermeture des frontières, l'absence de constitution de stocks stratégiques à la hauteur de ce qui était attendu. Il nous a manqué des masques, des tests, des vaccins. Et pour ne pas revivre ces défaillances, vous avez utilisé des mots a priori plutôt favorables. Vous allez vous en saisir. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre pour faire face aux risques futurs dans ces prochaines années afin de ne pas revivre ces mêmes défaillances? Merci bien. Madame Prisca Thévenot. Merci Madame la Présidente. Madame Semaille, le papillomavirus ou le HPV cause environ chaque année 6300 nouveaux cas de cancer, 2/3 chez les femmes, 1/3 chez les hommes. Pourtant, nous avons aujourd'hui un moyen de réduire cela drastiquement, voire peut-être à terme, je l'espère, l'éradiquer. Ce chemin, c'est la vaccination. Oui, il y a une vaccination HPV qui est disponible depuis maintenant plus de 15 ans, dont la sécurité est prouvée et avérée. Mais la France, notre pays, est très en retard sur le sujet. Par exemple, sur la génération née en 2005, seulement 37% des jeunes filles sont vaccinées et 6% des garçons. En comparaison, le Royaume-Uni, c'est 75% et le Rwanda, c'est 95%. Je sais très bien que Santé publique France, et vous l'avez répété, est très engagée sur la promotion de la vaccination. En revanche, je pense que nous devons peut-être réopérer notre voie de communication sur certains aspects qui, aujourd'hui, empêchent cette démarche de se propager, si je puis dire, le mieux du monde dans notre pays. Premièrement, la vaccination HPV est aujourd'hui quasiment exclusivement associée dans l'esprit collectif à la prévention contre le col de l'utérus. Si, comme répété et prononcé par ma collègue Marie-Charlotte Garin, la santé des femmes doit avoir une attention particulière, j'insiste ici que le HPV ne concerne pas que le cancer du col de l'utérus, mais aussi les cancers ORL et de l'anus chez les hommes. Nous devons donc avoir une communication peut-être auprès de nos personnels de santé et des parents sur ce point-là, parce que trop peu de jeunes hommes sont aujourd'hui vaccinés. J'insiste aussi sur l'aspect de la vie sexuelle. Ce vaccin est associé à l'entrée dans la vie sexuelle. Nous devons pouvoir lever ce tabou pour encourager les parents de s'en saisir. Et enfin, peut-être, mettre l'échelon local, comme nous l'avons fait dans le cadre de la campagne Covid. Nous ne pourrons pas faire sans nos collectivités, nous devrons faire avec elles. Et nous avons de très bons exemples, comme par exemple le département de l'Isère. Merci pour votre attention. Merci bien. La parole est à Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente. Madame Semaille, la mission de Santé publique France consiste à améliorer et à protéger la santé des populations. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à la crise Covid, et notamment les stocks qui devaient être contrôlés, les stocks stratégiques. Moi, je voudrais vous interpeller sur aujourd'hui la pénurie de médicaments très importante que nous connaissons, avec des médicaments tels que le doliprane ou l'amoxicilline, dont la pénurie pose un réel souci par rapport aux populations et par rapport à l'observance de leur traitement. Comment Santé publique France peut agir afin de pouvoir répondre aux besoins médicamenteux quotidiens des Français? Deuxième problématique concernant la prévention, et je vous ai entendu avec beaucoup de plaisir évoquer le souhait que vous aviez de développer l'axe prévention. Celui-ci me semble effectivement tout à fait essentiel, et dès le plus jeune âge, puisque nous voyons bien que ce qui a beaucoup manqué au cours de ces années, c'est la stratégie. Et le fait d'adopter un comportement favorable se prend effectivement dès le plus jeune âge et peut avoir ensuite des retentissements importants sur les autres couches de la population. Au regard des personnes âgées notamment, mais pas que, considérant les personnes âgées, il est indispensable de définir une vraie stratégie puisque 80% d'entre elles souhaitent rester à leur domicile. Comment est-ce que Santé publique France peut intervenir pour préserver leur autonomie et les mettre dans les meilleures conditions? Et puis un tout petit mot sur la santé mentale, puisque nous l'avons vu, la crise a eu pour conséquence le développement de problèmes de santé mentale très importants, notamment chez les plus jeunes.
Or, dans le rapport de la Cour des comptes, il est dit que la santé mentale fait partie des domaines qui ne sont pas assez présents dans les préoccupations de Santé publique France. Une étude récente fait état d'environ 9000 décès par suicide par an en France, soit l'un des taux les plus élevés d'Europe. Qu'envisagez-vous pour ces personnes touchées par des problèmes de santé mentale, particulièrement les plus jeunes ? Je vous remercie. Merci bien. Madame Servan-Hugues. Merci Madame la Présidente. Madame Semaille, ma question concerne l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Les politiques sanitaires et sociales semblent toujours bien lacunaires. Manque de prévention, de soins, d'adaptation de la médecine à leurs spécificités. Santé publique France est chargée notamment d'améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population, mais également les comportements et les risques pour la santé. Tout ceci dans le but de mettre en place des actions en faveur de la prévention et de la promotion de la santé. Ne pensez-vous pas que cette agence a son rôle à jouer pleinement dans l'adaptation des futures politiques publiques de santé aux besoins liés au handicap ? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Madame Justine Gruet. Merci Madame la Présidente. Madame Semaille, je pense que l'organisation de la santé est très administrative, voire trop administrative. On se doit de faire confiance et d'avoir une meilleure considération à nos soignants en respectant leur expertise et en leur donnant les moyens de prendre soin de leurs patients. La coordination est primordiale, vous l'avez dit, mais elle est assez naturelle chez les soignants, surtout dans nos territoires ruraux. Arrêtons donc les usines administratives. Vous avez évoqué la distribution des masques et des vaccins par Santé publique France. Je saluerai plutôt l'engagement des maires, des collectivités, des médecins, des infirmiers et des bénévoles dans le déploiement avec rapidité, à la fois dans l'ouverture et dans la gestion des centres de vaccination, notamment. Nous avons des enjeux forts demain dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé mentale, dans l'organisation des soins, dans la responsabilisation des patients vis-à-vis d'un système de santé présumé gratuit. J'aurai donc deux questions pour améliorer la prise en charge des patients. La première, que pensez-vous du rôle de l'établissement centre dans les GHT, les groupements hospitaliers territoriaux, qui doivent, sans asphyxier, renforcer les établissements au plus près des territoires ruraux, dans l'ensemble du groupement? Et enfin, notre système a besoin de temps pour gérer de l'humain. Sommes-nous capables de donner plus de moyens financiers aux soignants et moins dans l'administratif, en revalorisant leur rémunération et en améliorant leurs conditions de travail? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Fanta Beretté. Merci Madame la Présidente, merci Madame Semaille pour votre exposé et vos premières réponses. En décembre dernier, j'avais interrogé vos collègues du COVARS dont les missions ont été étendues pour analyser et conseiller le gouvernement sur tous les types d'épidémies. Aujourd'hui, nous débattons à l'Assemblée nationale des questions de pénibilité au travail. Santé publique France présente dans ses prérogatives la promotion de la santé et de la réduction des risques, notamment par le développement de la prévention. Ainsi, votre rôle pourrait être de contribuer à l'analyse de la santé des salariés dans tous les secteurs d'activité. Je pense notamment à la santé du salarié au moment de l'entretien professionnel à 45 ans ou encore au moment d'entrer dans les dispositifs de retraite progressive. Ma question est donc la suivante. De quelle manière envisagez-vous le rôle de Santé publique France sur la question de la santé au travail et en particulier dans le cadre des débats sur la pénibilité ? Je vous remercie. Merci bien. Madame Karen Erodi. Merci Madame la Présidente. Madame Semaille, je voudrais commencer par une petite aparté et rappeler que l'avis de vacance a été publié le 27 juillet 2022 et que le poste est vacant depuis la fin du mois d'octobre. Or, le pays aurait bien eu besoin d'une direction générale opérationnelle ces derniers mois pour faire face, par exemple, à la pénurie de médicaments pédiatriques en cours. Encore une fois, il aurait été préférable de planifier davantage. Ce n'est bien sûr évidemment pas vous, Madame Semaille, que je vise par ces propos. Je pointais plutôt du doigt le ministère de la Santé. Je viens donc à notre audition. Parmi les prérogatives de Santé publique France figure la gestion administrative, financière et logistique des stocks de produits, d'équipements et de matériel face aux menaces sanitaires graves. Or, les pénuries s'accumulent. Pendant la crise Covid, nos soignants n'avaient pas de masque FFP2, ni gants, ni surblouses. Par impréparation et court-termisme, nos soignants et donc l'ensemble de nos concitoyens ont été mis en danger. Plus récemment, nous avons dû nous confronter à une pénurie de médicaments, d'antibiotiques comme l'amoxicilline et le doliprane notamment.
Selon le rapport de la mission indépendante sur l'évaluation et la gestion de crise sanitaire et sur l'anticipation des risques pandémiques, le niveau de préparation opérationnelle de Santé publique France concernant la gestion des stocks stratégiques a été insuffisant. De plus, face à l'augmentation du nombre de produits périmés à moyen terme, la Cour des comptes souligne le besoin d'une programmation de moyens pour assurer le maintien des stocks, des niveaux des stocks. Par ailleurs, je rappelle qu'à la France insoumise, nous avons fait une proposition de loi visant à créer un pôle public de médicaments pour garantir une production plus rapide de médicaments et s'assurer de l'approvisionnement de la France en médicaments. Madame Semaille, quelles mesures comptez-vous mettre en place afin de garantir des stocks stratégiques suffisants et la production de médicaments? J'imagine que la première sera d'expulser les cabinets McKinsey au vu de leur rôle dans la consommation, dans la surconsommation de médicaments et même mortels aux États-Unis. Je vous remercie. Très bien. La parole est à Jean-Carl Grelier. Merci, Madame la Présidente. Merci, docteur, de votre engagement pour la santé publique depuis tant d'années. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos liminaire le fait que Santé publique France avait une responsabilité particulière en matière scientifique et épidémiologique. Je ne devrais pas négliger que l'ordonnance qui a créé Santé publique France vous a aussi conféré une importante responsabilité en matière de promotion et d'éducation à la santé. Et cette fonction de prévention et d'éducation à la santé fait de Santé publique France le seul organe de l'État en charge en propre de cette compétence de prévention et d'éducation à la santé. Or, aujourd'hui, l'éducation à la santé est exercée par l'État. 7 départements ministériels interviennent en matière de prévention et d'éducation à la santé. La prévention est exercée par les collectivités locales, elle est exercée par les assureurs privés, elle est exercée également par le monde associatif, et je veux saluer le travail énorme qui est fait notamment par des associations comme la Ligue contre le cancer sur les territoires. Sauf que l'ensemble de ces actions en matière de prévention et d'éducation à la santé ne sont pas aujourd'hui gouvernées et ne sont pas davantage évaluées. Est-ce que vous avez une réflexion en cours sur la gouvernance de cette prévention et de cette éducation à la santé au travers des compétences qui sont celles de votre agence? Et puis, au mois de juin 2021, avec Agnès Firmin-Lebaudeau, nous avions déposé un rapport d'évaluation sur les agences régionales de santé. Dans ce rapport, nous soulignions la difficulté pour les ARS à mettre en place de véritables politiques de prévention. Il y a effectivement des agents de Santé publique France en charge de l'épidémiologie, mais on ne peut pas se contenter de statistiques épidémiologiques. Il faut que les agences régionales de santé deviennent le bras armé de Santé publique France et du ministère de la Santé et de la Prévention en matière de prévention et d'éducation à la santé. Là aussi, avez-vous quelques réflexions en la matière dont vous pourriez nous faire part et qui nous permettraient d'avoir l'espoir que la prévention ruisselle demain jusque sur nos territoires? Merci bien. La parole est à Antoine Léaumont. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame Semaille, merci pour votre présentation, qui néanmoins m'a donné l'impression qu'on parlait davantage d'une entreprise que de Santé publique France, puisque vous nous avez parlé de capitaliser, de système intégré, vous nous avez dit « je suis un manager ». Tout ça nous éloigne beaucoup de la santé, et je dois dire que j'ai entendu beaucoup parler de la Cour des comptes et très peu parler du baromètre social, à part lorsque mon collègue Adrien Clouet en a parlé. Je voulais vous parler de la pénurie de médicaments. Ma collègue Karen Hérody l'a fait, donc je ne rappellerai pas nos propositions sur le sujet. Je me contenterai juste de vous poser une question, puisque le gouvernement a lancé il y a 6 jours un comité de pilotage du médicament, dont l'une des principales propositions est d'augmenter le prix des génériques, c'est-à-dire d'éloigner encore la santé de ceux qui n'ont pas les moyens, enfin le moins de moyens de se la payer. C'est évidemment salué par l'industrie pharmaceutique, puisque cela sert ses intérêts. Mais par contre, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, lui, est beaucoup plus circonspect sur cette proposition d'augmenter les prix des génériques. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il y a aussi, bien sûr, l'idée de ce pôle public du médicament, puisque Emmanuel Macron a décidé de débloquer une enveloppe de 15 milliards d'euros pour relocaliser la production de l'industrie pharmaceutique. On a l'impression qu'il va s'agir encore de cadeaux fiscaux, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée d'un pôle public du médicament. Et puis enfin, puisque, comme Madame Berreté l'a rappelé, la réduction des risques et notamment la prévention font partie des missions de l'Agence Santé publique France, que pensez-vous du passage de l'âge légal de la retraite à 64 ans, qui aura évidemment des effets dramatiques en termes de santé publique,
et notamment d'accès à la retraite en bonne santé. En tout cas, c'est l'avis des Insoumis et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. La parole est à Éric Allauzet. Merci Madame la Présidente. Madame Semaille, d'abord félicitations pour votre parcours et vos motivations. J'ai trois questions à vous poser. La première, pouvez-vous nous indiquer à quelle échéance vous pourrez rendre votre avis sur la vaccination des soignants, vaccination obligatoire en milieu hospitalier suite à la saisine du ministre de la Santé? Ça concerne Covid, grippe, enfin de nombreux vaccins. Deuxième question, au vu de votre expérience riche à l'ANSES, en particulier sur la question de la santé environnementale et des phytosanitaires, vous l'avez évoqué, et des nombreuses controverses sur ces sujets, vous y avez également fait référence, envisagez-vous de faire évoluer le rôle de l'AHS sur les questions en lien avec votre deuxième priorité concernant l'ouverture et les liens avec d'autres structures? Pourriez-vous nous en dire un peu plus au vu de l'impact important de ces controverses dans les débats publics et politiques? Et ma troisième et dernière question, concernant l'accès aux soins et la délivrance de médicaments sans ordonnance par les pharmaciens, la HAS est-elle susceptible de rendre, dans les mois qui viennent, un avis particulier? Très bien. Madame Monique Iborra. Oui. Merci. S'il vous plaît, monsieur le député, pouvez-vous répéter la dernière question? Elle ne l'a pas entendue. Très bien. Alors, ensuite, la parole est à Monique Iborra et elle seule a la parole. Chut, monsieur Bazin. Merci, madame la présidente. Il a été beaucoup question de prévention ce matin. Je veux en poser une supplémentaire. Aujourd'hui, concernant la prévention de l'autonomie, de la perte d'autonomie, il existe essentiellement des actions de prévention qui sont gérées par la conférence des financeurs depuis 2016, elle-même rattachée à la responsabilité des départements. De nombreux rapports ont montré le coût-efficacité qui n'était pas celui qu'on attendait. Dans une PPL, une première PPL que j'ai écrite en 2021 et une seconde dont je suis co-rapporteur, on prévoit la mise en place d'un centre de preuve aujourd'hui qui serait adossé à la CNSA. Ne pensez-vous pas qu'il serait beaucoup plus pertinent que ce centre de preuve soit adossé à Santé publique France? Merci. Très bien. La parole est à monsieur Dino Signieri. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, madame Semaille, merci pour votre excellente présentation. Et je ne voudrais pas faire redondance avec les questions qui ont déjà été posées par mes collègues Neder, Bazin et Justine. Simplement, j'aimerais avoir votre avis sur la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19. Car la suspension de nos personnels de santé devait être temporaire. Pourtant, près de 3000 infirmiers et aides-soignants, des centaines de médecins, pharmaciens, orthophonistes, kinés sont toujours suspendus, sans salaire ni indemnisation chômage. Pendant ce temps-là, les hôpitaux, les EHPAD font face à un manque criant de soignants. Des enfants se retrouvent sans suivi. Défendrez-vous leur réintégration si vous êtes confirmé au poste de directrice générale de Santé publique France? Merci. Merci bien. La parole est à Madame Farida Amrani. Merci Madame la Présidente, Madame Semaille. J'ai bien compris, j'ai bien entendu que vous aviez bien acté le manque d'effectifs, que l'effectif n'était pas à la hauteur des enjeux de cette agence. Par contre, je n'ai pas entendu ou je n'ai pas compris le nombre d'effectifs supplémentaires qu'il fallait pour cette agence selon vous. Donc concrètement, Madame, combien d'agents supplémentaires allez-vous recruter? Merci. Très bien. La parole est à Monsieur Jérôme Guedge. Oui, Madame la Présidente. Trois questions rapides. On parle beaucoup dans cette commission, et c'est dans les missions de Santé publique France, d'éducation, de promotion de la santé et de prévention. Sur quelques sujets, je vais inverser les choses. Qu'est-ce que vous attendriez du législateur pour que les choses aillent mieux en matière de tabagisme, en matière d'alcool, en matière d'addiction et notamment de cannabis, en matière d'écran pour nos jeunes, en matière d'obésité, avec notamment le regard que vous avez sur Nutri-Score et la défense de Nutri-Score, y compris à l'échelle européenne, en matière de dénutrition, et ça s'inscrit dans les sujets de, notamment de dénutrition concernant les personnes âgées.
Deuxième bloc de questions pour aller vite et faire plaisir à ma présidente préférée. Vous avez dit, et je voudrais que les choses soient bien précises, Madame Semaille, vous avez dit que vous n'avez plus besoin, vous ne souhaitez plus avoir besoin de cabinet de conseil. Ça veut dire très concrètement que sur des sujets de système d'information, sur des sujets de pilotage de la logistique, qui étaient comment les deux sujets sur lesquels les cabinets de conseil ont été imposés à Santé publique France pendant la gestion de la crise, à l'avenir, vous ne voulez plus du tout, y compris sur ces sujets qui, pour lesquels il y a parfois du recours au cabinet de conseil. Et la troisième question, elle est précise. Elle répond presque par oui ou par non. Au moment où vous arrivez, au regard de ce que vos prédécesseurs ont pu connaître, est-ce que vous considérez que l'état qualitatif et quantitatif des stocks stratégiques dont vous avez la responsabilité face à d'éventuelles pandémies, mais aussi aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, bref, tout ce qui est dans le cadre du PN3S, est-ce que vous avez le sentiment que l'état qualitatif et quantitatif est satisfaisant, oui ou non ? Merci bien. Madame Rachel Keke. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour Madame Caroline Semaille concernant la situation des territoires et départements d'outre-mer. J'ai eu l'occasion d'aller en Martinique en décembre dernier et j'ai notamment visité le CHU de Fort-de-France appelé la Ménard. La situation y est terrible. J'ai vu des soignants pleurer de détresse par manque de moyens. Et malheureusement, ce n'est pas le seul territoire avec des problèmes aussi graves. Ainsi, Madame Semaille, puisque Santé publique France doit répondre à des missions d'urgence sanitaire, quelles sont pour vous les mesures d'urgence à prendre dans l'hypothèse de votre prise de fonction pour mettre fin à la crise sanitaire que connaissent nos territoires les plus éloignés de Paris, les DOM-TOM? Enfin, quelle est votre position sur la situation du personnel soignant non vacciné? Je dis ça parce que, Madame Semaille, l'heure est grave dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qu'on appelle le couloir de la mort. L'heure est grave. Manque de soignants. Il faut quand même penser à cette situation et trouver des solutions pour les non-vaccinés. Parce que ceux-mêmes qui sont vaccinés souffrent. Ils n'ont pas de soignants. Et qu'est-ce qu'on fait? Merci. Très bien. La parole est à Madame Joëlle Mélin. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Semaille, de votre présence ici. Deux questions. La première, est-ce que Santé publique France a fait un retour d'expérience sur le premier trimestre de la pandémie Covid? Je m'explique. Alors même que les autorités sanitaires chinoises ont prévenu l'OMS, et qui elle-même a prévenu les autorités sanitaires du monde entier dans la nuit du 31 décembre 2019, après une épidémie qui durait déjà en Chine depuis pratiquement 6 mois, et que nous avons été prévenus des premières études chinoises dans la première semaine du mois de janvier et les images du 13 janvier avec les hôpitaux de campagne. Sauf erreur de ma part, Santé publique France n'a fait paraître un communiqué que le 22 janvier, copié-collé sur celui de l'ECDC, qui était lui-même copié-collé sur celui de l'OMS, disant « Soyons vigilants, il se passe quelque chose, mais tout le monde peut continuer sa vie comme il l'entend, allez et venez comme vous voulez ». Vous n'avez ensuite fait sortir un nouveau communiqué que dans la fin du mois de février, pour ensuite accélérer dès l'instant que l'OMS a déclaré l'état de pandémie. Ma question est simple, avez-vous un retour d'expérience sur ces 3 premiers mois? Deuxième question rapide, 3 textes européens demandent une liste des règlements européens ont demandé des listes de médicaments critiques et de dispositifs médicaux critiques. Cette liste est-elle enfin établie et Santé publique France est-elle en mesure d'avoir la totalité du stock? Je vous remercie. Très bien. La parole est à Madame Sandrine Rousseau. Merci, Madame la Présidente. J'aurais une question relative à la santé environnement, qui est souvent une espèce d'angle mort des politiques de santé publique. Et donc, l'OMS a montré que la prévention des risques de santé environnementale pouvait éviter 1,4 million de décès par an en Europe, ce qui est quand même conséquent.
15% du nombre de décès total. Et par ailleurs, on a vu aussi en matière de santé environnement l'effet que pouvait avoir la dégradation des écosystèmes, et notamment dans les cadres de la pandémie du Covid, dont on soupçonne que ça ait pu jouer un rôle dans la transmission du virus jusqu'à l'homme, mais dont on voit aussi que les élevages intensifs sont des lieux de transmission très importants de virus de l'animal aux humains, et aussi un lieu de résistance aux antibiotiques, ce qui va devenir un problème de santé majeur si on en croit les experts sur le sujet. Donc en fait, la question, c'est quelle politique mettez-vous, enfin comment vous envisagez la question de la santé environnement, notamment de l'effet des pesticides. Je pense aux parents des enfants de Saint-Rogatien qui se sont trouvés très très seuls au moment où plusieurs enfants d'un même territoire ont eu des cancers à un niveau, des cancers pédiatriques et avec une incidence bien plus grande que la moyenne nationale, et qui se sont retrouvés très seuls dans l'analyse des facteurs pouvant déclencher ces cancers. Je pense aussi aux personnes qui subissent des effets cocktails de perturbateurs endocriniens. Je pense aux nanoparticules et leur envahissement partout dans notre environnement. Bref, les chiffres nous manquent, les analyses nous manquent, et derrière, les politiques de prévention aussi nous manquent. Du coup, quelle serait la politique que vous envisageriez, et quelles seraient les politiques publiques que vous envisageriez pour pouvoir prendre en compte cette santé environnementale à la hauteur du défi qu'elle est ? Très bien. Et enfin, dernier intervenant, M. Arthur Delaporte. Merci, Madame la Présidente. Pour changer un peu des questions précédentes qui ont été posées, même si j'aurais beaucoup aimé, et j'attends votre retour sur la question des retraites, sur les différentes questions qui ont été posées sur aussi les médicaments. Mais oui, l'impact psychologique des retraites, et finalement, vous avez dans vos objectifs la prévention, et la prévention, ça passe aussi sur la question de l'allongement de l'âge légal de la retraite. Ça aura un impact sur les corps et sur les vies, et des enjeux en termes de santé publique, et j'aurais aimé avoir votre avis, évidemment, sur ce point, et le recul de l'âge légal comme et ses implications sur la santé publique globale. Mais je voulais vous entendre, moi, plutôt, enfin, en plus de cette dimension importante et d'actualité, sur la question des influenceurs. Parce que vous savez aujourd'hui, et dans vos compétences sur la prévention en santé publique, que les influenceurs sont un phénomène croissant et qui a un impact sur la santé des gens. Et moi-même, je travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois et j'ai rencontré des victimes qui font état de troubles, certains psychiques assez graves, notamment suite à des préconisations, des conseils en santé totalement bidons d'influenceurs, et donc qui se retrouvent parfois hospitalisés avec des dérives graves, par exemple des comportements alimentaires pour certaines, ou d'autres de dépression. Et donc j'aurais souhaité savoir comment Santé publique France, si Santé publique France s'était saisie du sujet, et comment vous envisagez une politique de prévention à l'échelle globale pour lutter contre ce type de dérives. Très bien, merci mes chers collègues pour ces très nombreuses questions, et je vais à présent passer la parole à Madame Semaille pour des éléments de réponse. Merci beaucoup. Je vais peut-être tout de suite lever deux petits malentendus sur le fait que j'aurais prononcé le mot capitaliser. Alors je serais très très étonnée, parce que c'est vraiment, ça ne fait pas du tout... Non, mais ça ne fait pas partie de mon langage habituel, donc je suis un peu étonnée. Et Cour des comptes, oui, j'ai dû citer le mot Cour des comptes, puisque, effectivement, ce rapport a été présenté, je pense, dans votre commission. Seule Madame Semaille a la parole, s'il vous plaît. 2022. Et puis, peut-être aussi que vous avez considéré que mon propos était maladroit quand j'ai dit que Santé publique France avait distribué 200 millions de vaccins Covid. Et effectivement, dans vos propos, j'ai compris ce que vous vouliez dire quand vous avez un peu sursauté quand j'ai dit ça. Distribuer ne veut pas dire que Santé publique France a été derrière chaque vaccinateur, etc. Bien entendu, cette distribution, c'était la première étape. Et après, comme vous l'avez souligné, l'important, c'était de mettre en place des centres de vaccination, des gros, des petits, des moyens, au plus près de la population. Donc voilà, si mon propos n'était pas clair, en tout cas, je vous suis tout à fait quand vous soulignez le travail des collectivités, des hôpitaux, enfin de toutes ces structures qui se sont mobilisées, et de tous d'ailleurs ces vaccinateurs qui se sont mobilisés pour vacciner partout en France et ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, vous avez... Alors,
Je suis contente que finalement, quand même, deux personnes ont cité le mot santé environnementale, parce que vous n'avez été que deux, je crois, députés à prononcer ce mot. Il me semble que c'est aussi, ça fait partie des enjeux. Hein. C'est vraiment des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Si je reprends, vous avez cité, Madame Rousseau, l'OMS. Ben, je vais la citer aussi. Effectivement, l'OMS dit que l'environnement d'aujourd'hui, c'est la santé de demain. Donc oui, je suis très sensible à ces enjeux de santé environnementaux. On l'a dit, hein, de toute façon, la crise Covid, elle est aussi cette problématique de santé environnementale, hein, puisque l'écosystème entre la faune sauvage qui se rapproche de la faune domestique et puis elle-même se rapproche des humains avec un risque de transmission, tout ça, de toute façon, on aura d'autres épidémies demain, donc il faut s'y préparer. Et donc, il faut bien comprendre c'est quoi l'environnement qui touche nos citoyens. Et donc, c'est effectivement l'importance de bien mesurer l'exposome, donc tous ces facteurs qui peuvent influencer sur la santé des populations. Adam, que fait Santé publique France en termes de santé environnementale? Alors, il est très important de mesurer pour comprendre les interactions. Et pour mesurer, en fait, Santé publique France a un certain nombre d'enquêtes. Hein, je pense notamment, vous avez évoqué les pesticides. Hein, je connais bien les pesticides puisque pendant 2 ans à l'ANSES, j'ai fait l'évaluation des pesticides. Donc je sais aussi quelle est la rigueur qu'il y a autour de l'évaluation des pesticides et des biocides. Mais donc Santé publique France a mis en place un certain nombre d'enquêtes. Je pense notamment à cette enquête qui s'appelle Pestirive, hein, qui va mesurer en fait l'exposition des riverains et des non-riverains des zones viticoles pour voir si, oui ou non, il y a un risque et essayer de comprendre quels sont les déterminants. Donc, on a aussi l'enquête Alban qui va se mettre en place et qui mesurera aussi ces risques, ces déterminants de l'environnement qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, oui, toutes ces enquêtes sont essentielles. Elles ne se font pas seules, hein, c'est-à-dire que Santé publique France les fait en partenariat, en collaboration avec l'ANSES. Et moi, je crois beaucoup, évidemment, je viens aussi de l'ANSES et j'y ai passé 2 ans, donc je suis vraiment une fervente supportrice de la collaboration entre les agences. Et on voit bien qu'en santé environnementale, la collaboration avec l'ANSES, elle est essentielle. Parce qu'on a, et je vous rejoins, beaucoup de questions. Beaucoup de questions aujourd'hui, des questions demain. Il faut qu'on puisse anticiper. Donc, toutes les grandes cohortes qui sont mises en place, justement, vont collecter des informations, vont aussi collecter des prélèvements biologiques qui nous permettront demain de voir s'il y a des problématiques ou des déterminants qui impactent la santé. En tout cas, j'y serai vraiment très, très, très attachée. La santé environnementale, pour moi, est vraiment un sujet primordial. Alors, vous avez cité aussi les influenceurs ont été cités par un député. Alors, vous avez raison, enfin, on l'a bien vu, hein, pendant la crise Covid, il y a eu énormément de fausses informations. Hein, c'est ce que j'indiquais dans mes propos liminaires. Je pense qu'il faut qu'on puisse lutter contre ces fausses informations. L'OMS, d'ailleurs, a lancé un nouveau concept qui est l'infodémique. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, évidemment, chaque citoyen, chaque Français est exposé à énormément d'informations, tellement d'informations que de faire le tri, je pense que c'est très compliqué. Donc, il est important que Santé publique France joue un rôle, mette à disposition des informations, et comme je le disais dans mon propos liminaire, pas que des informations pour les scientifiques, hein, il en faut, mais aussi des informations qui soient décryptables par toutes les populations. Et ça, je pense que c'est très important et ça participera à la lutte contre ce que vous appelez les influenceurs ou les fausses informations. Mais ça, c'est un des enjeux. Hein. C'est un enjeu très, 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 très important. Alors après, j'avais des questions sur... Ah oui. Sur la pénurie... Ah oui, santé du travail. Oui, santé. Vous avez été nombreux encore à des questions que j'avais déjà eues dans la première session. Tout ce qui est santé au travail, les retraites, etc. Alors, bien entendu, c'est pas mon rôle de me prononcer sur les retraites. En revanche, là où Santé publique France joue un rôle, c'est sur la santé des travailleurs. Donc, comme je l'ai dit effectivement en première partie, la santé des travailleurs est quelque chose de très important. On a vraiment beaucoup de cohortes et de systèmes de surveillance. Donc, il faut vraiment qu'on capitalise dessus. On mette à disposition tous les résultats de ces enquêtes. Ah oui. Mais alors, c'est dans le sens... Non, mais vous avez raison de me reprendre.
Alors, effectivement. Mais vous avez raison, vous n'êtes pas allergique, parce que tout à fait, je vais capitaliser sur les connaissances, oui c'est vrai, mais comme vous l'avez mis, vous l'aviez mis dans un contexte qui n'était peut-être pas exactement celui de, vous avez dit capitaliser seul et pas capitaliser les connaissances, ce qui aurait été extrêmement différent. C'est important, effectivement, de prendre les choses dans leur contexte global et... Donc voilà, on est revenu. Alors j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire sur la santé des travailleurs. Oui, sur la santé des travailleurs. Donc effectivement, tout ce dispositif d'enquête, et il faut qu'on mette à disposition tous ces résultats qui sont majeurs. Et aussi, je voulais signaler une initiative qui a été mise en place par Santé publique France en 2022, qui est la plateforme des employeurs. Parce que vous avez souligné, c'est vrai que les travailleurs, ils y passent beaucoup de temps. C'est un moment important pour pouvoir parler de la santé, de faire de la prévention. Et donc cette plateforme qui est ouverte pour les employeurs, au départ, c'était beaucoup sur l'initiative le mois sans tabac, qui est donc le mois de novembre, si je ne m'abuse, comme je ne fume pas, je n'ai jamais fumé, mais je crois que c'est le mois de novembre, voilà. Donc, Santé publique France a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce mois sans tabac, et à partir de cette initiative qui marche plutôt bien, il y a donc cette plateforme qui est ouverte aux employeurs. Donc, en fait, c'est une plateforme qui permet, sur cette plateforme, sont mis toute une série d'outils. Et après, les employeurs peuvent se servir de ces outils. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra vraiment qu'on pousse auprès des employeurs, cette plateforme, et qu'on enrichisse, en fait, cette plateforme destinée aux employeurs pour qu'ils puissent se saisir de tous les outils. Après... Vous avez parlé aussi de promotion, prévention de la santé, donc effectivement le rôle majeur de Santé publique France, mais bien sûr, on ne peut pas tout déployer à tous les échelons. Donc évidemment, Santé publique France est là en appui aux ARS. Vous avez cité le fait que, effectivement, au sein des ARS, il y a des cellules régionales, et ça, moi, pour ma part, je pense que c'est très important que ces cellules, que ces épidémiologistes soient effectivement présents dans les cellules régionales, dans les ARS, parce qu'il y a évidemment des spécificités territoriales. Hein. On a cité chlordécone, Antilles, plomb, Guyane, le problème de l'eau à Mayotte. Donc il est indispensable pour Santé publique France, pour être au plus près des citoyens, d'avoir cet ancrage territorial. Il y a aussi tout ce qui est investigation d'épidémie. Vous avez cité, je ne sais plus qui a cité, effectivement l'investigation parfois de cancers pédiatriques, donc qui sont effectivement des problématiques très importantes, hein, sur lesquelles Santé publique France s'est beaucoup investie. Donc il est indispensable que Santé publique France puisse être dans les ARS au sein des cellules régionales. Mais bien sûr, en termes de prévention, les cellules régionales ne peuvent pas tout faire. Santé publique France, le niveau national, peut apporter au niveau territorial des outils. Et j'ai cité à plusieurs reprises le registre. Je pense que ça, c'est le registre permet d'offrir au niveau territorial des outils qui sont catalogués dans ce registre. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut laisser aussi la place à des initiatives locales. Je pense que c'est très important. Il y a forcément des spécificités locales et il y a des initiatives qui seront certainement très intéressantes, qu'il faudra pousser. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faudra pousser des innovations en matière de santé et même si c'est que des présomptions d'efficacité de ces interventions. Alors, il y a aussi beaucoup de questions entre la pénurie actuelle des médicaments, et donc vous avez cité paracétamol et amoxicilline, et les stocks stratégiques. Alors, je pense qu'il faut faire attention, en fait, c'est deux choses différentes. Hein. On a évidemment les stocks stratégiques, et dans les stocks stratégiques, vous avez des médicaments essentiels, mais c'est des stocks stratégiques, donc c'est effectivement des vaccins. Après, le stock stratégique de Santé publique France, même s'il s'appuie sur une plateforme nationale et je crois 19 plateformes territoriales, il n'a pas vocation à pallier toutes les pénuries des médicaments, bien entendu. Donc, il faut bien distinguer la pénurie des médicaments aujourd'hui sur amoxicilline, paracétamol et les stocks stratégiques. Si on devait, au niveau de Santé publique France, stocker tous les médicaments et tous les stocks de 2 mois, ça serait juste des palettes et des palettes, mais ça serait énorme.
et ça ne serait pas pertinent. Mais par contre, je vais revenir quand même sur la pénurie d'amoxicilline. Alors, on est vraiment très, très rapidement, parce qu'effectivement, étant à la NSM aujourd'hui, il faut bien voir que c'est une pénurie en fait, qui ne touche pas que la France, hein, qui touche tous les pays. Hein. Les États-Unis ont aussi porté cette alerte. Ce sujet des pénuries des antibiotiques, et notamment de l'amoxicilline, sont portés au niveau européen, où on essaye d'avoir aussi des actions européennes. Et bien entendu, vous savez qu'il y a toute une série d'actions au niveau national qui sont effectivement contingentées, augmenter la production, favoriser le bon usage, parce qu'effectivement, en France, on utilise beaucoup d'antibiotiques, beaucoup, beaucoup plus que les autres pays. Si vous aviez, je ne peux pas montrer, mais si vous aviez sous les yeux la courbe d'utilisation des antibiotiques dans 5 pays, si on prend la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, la France est très, très, très largement au-dessus des autres pays. Donc, que ce soit pour l'amoxicilline, que ce soit pour le paracétamol, la France est un gros consommateur. De toute façon, la France est un gros consommateur de médicaments. Et donc, voilà. Il s'agit de trouver évidemment des solutions pour les pénuries, mais c'est vrai qu'il faudra aussi favoriser le bon usage à tous les niveaux, dans toute la chaîne d'utilisation du médicament. Je crois que... Sur les effectifs, alors sur les effectifs, effectivement, alors peut-être que dans mon propos, j'ai dit qu'effectivement, avec 700 personnes, et vu le périmètre d'action de Santé publique France, c'est évident qu'avec 700 personnes, on ne pourra pas tout faire seul. Et donc, c'est bien pour ça que, vraiment, pour moi, une de mes priorités, c'est le partenariat. Donc, le partenariat avec les autres agences, les autres institutions et les autres partenaires, qu'ils soient de la recherche ou non. On ne pourra pas faire seul et surveiller la santé de 67 millions de nos concitoyens seul avec, effectivement, 700 personnes. Faites le calcul, 700 personnes par 67 millions, ça ne fait pas beaucoup d'agents de Santé publique France derrière chaque citoyen. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas le faire seul. Et... Bien sûr, j'aimerais demander des moyens supplémentaires, bien entendu, mais je sais aussi que les moyens sont limités pour tout le monde, pour toutes les agences. Donc, il est important de pouvoir discuter avec notre tutelle, d'avoir une relation de confiance avec elle, ce que, a priori, je pense avoir avec notre tutelle, bien entendu. Et puis après, il s'agira de prioriser les actions, parce qu'il s'agit évidemment de ne pas mettre en danger les collaborateurs de Santé publique France. Vous l'avez souligné, au sortir de 3 ans de crise Covid, il faut aussi vraiment les sécuriser. Et je m'y emploierai. Sur le dépistage papillomavirus, donc effectivement, vous avez raison, hein, le vaccin papillomavirus, il est très efficace, hein, il prévient effectivement tout ce qui est cancer. Alors, il n'élimine pas le fait qu'il faut aussi se faire dépister, mais c'est vrai qu'il est un acteur clé pour la prévention cancer du col de l'utérus. Et on a, grâce aux enquêtes qui ont été faites sur la base de l'assurance maladie, hein, par l'équipe d'EPIFAR qui est hébergée notamment à la NSM, on sait que c'est effectivement un vaccin qui est efficace et pour lequel on n'a pas de concern, tant pis, vis-à-vis du profil de sécurité. Donc, c'est un vaccin qui, effectivement, a un très bon profil de sécurité et qui peut prévenir de beaucoup de maladies, et notamment le cancer du col. Donc, oui, effectivement, il faut pousser. On a toujours cette réticence en France sur la vaccination. C'est vrai qu'au moment de la vaccination obligatoire du nourrisson, on a été confronté à beaucoup, beaucoup de réticences. Hein, réticences au moment en 2017... ça a été mis en place au 1er janvier 2018 et finalement c'est un succès. Et je peux vous dire, pour avoir suivi ça dans les 6-8 mois qui ont précédé la vaccination obligatoire du nourrisson, c'était difficile. On sentait qu'il y avait beaucoup de réticences et on a réussi avec un dialogue, une transparence et aussi en publiant très régulièrement des rapports de sécurité sur les vaccins pour montrer que oui, on a évidemment une efficacité, mais ça on le savait, mais qu'on fait diminuer le risque pour les enfants et qu'on n'a pas d'inquiétude vis-à-vis du profil de sécurité. Dans ce cadre, sinon, c'est de se projeter en fait dans une idée de travaux, donc en fait,
On vous entend pas, Madame la députée. Quand vous alors, sur le vaccin papillomavirus, de toute façon, c'est une des. Le ministre de la Santé, lors de ses voeux le 31 janvier, a effectivement indiqué qu'il était très favorable au dépistage pour les IST, et notamment sur le papillomavirus. Donc, ça, de toute façon, c'est de nature à nous aider pour pousser cette politique. Mais on ne la poussera pas seule, bien entendu. On accompagnera. Que j'ai à peu près sur le handicap, j'ai effectivement là aujourd'hui, enfin l'état de santé, enfin les personnes handicapées, leur état de santé, c'est quelque chose de très important. Je prends note effectivement de ce point-là pour être certaine de voilà de m'y atteler quand je prendrai, parce que je ne suis pas encore à Santé publique France, donc faut me laisser le temps de faire le diagnostic. Voilà. Très bien, Madame Semaille, vraiment merci pour la qualité de vos réponses et vraiment des réponses précises et argumentées. Mes chers collègues, avant de vous libérer, notre prochaine réunion aura lieu demain à 10h et nous entendrons donc les responsables, la nouvelle direction d'Orpea, afin de faire le point avec eux un an exactement après le début de nos travaux sur les EHPAD. Je vous remercie encore une fois, merci Madame Semaille et à bientôt. Merci.